Bonjour à tous et bienvenue ici à Saint-Vulbas pour la finale du meeting GDP Vendôme 2017. Une finale absolument superbe que l'on va suivre avec notre consultant Jacques Sibilia. Bonjour Jacques. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Une finale qui opposera les Italiens de BRP aux Français de Gap. C'est une affiche absolument splendide. Tout à fait, une rencontre transalpine, donc avec énormément d'internationaux qui ont l'habitude de se rencontrer dans les grandes joutes internationales. On va prendre du plaisir, je pense, parce que là, ça va être sous haute tension avec du très très gros jeu développé. On a vu des Italiens très à l'aise lors de la demi-finale. On les a vus passer par un trou de souris en quart de finale, alors que du côté des Français de Gap, ils ont largement maîtrisé leur demi-finale contre Saint-Vulbas. Ça va donc nous donner un spectacle a priori très très intéressant. Ou en couleur, Gaël, ou en couleur, sachant que Saint-Vulbas a disposé largement de la BRB Italie dans les poules. Et Gap ayant disposé en demi-finale de Saint-Vulbas, ça va nous laisser en haleine. Alors que le coup d'envoi fictif est donné notamment par le trio que je vais laisser le soin de Monsieur le maire Marcel Jacquin, le maire de Saint-Vulbas, accompagné à ses côtés de Jean-François Gaubertier, l'organisateur du meeting GDP Vendôme, ainsi que Philippe Coquet, le président de la Fédération française du sport. Voilà. C'est donc terminé pour ce coup d'envoi fictif et on passe au véritable coup d'envoi de cette finale du meeting GDP Vendôme 2017. On rappelle que c'est la première étape et qu'il y aura ensuite une deuxième étape à Lyon. Finale à Lyon sur la mythique place Bellecour, donc mythique place pour le sport boule. Ce seront les 7, 8 et 9 juillet. Aïe Fredo. Ce sont les joueurs de Gap qui vont donner le coup d'envoi de cette finale. Le but de la première manche se trouve à 13 mètres 20. Avec un Frédéric Assensi qui avait été fantastique en demi-finale. Énorme. Il a presque pas de boule faute, il a rendu une 4 pratiquement très impressionnante, faisant la perfection. Il a été ainsi que Romain Garcia. Hein, les deux milieux de Gap ont été énormes. Ils ont éteint tout espoir chez Saint-Vulbas. Hein. Ça a été superbe. Et on a vu dans la première demi-finale comme dans la deuxième que l'équipe qui s'est assez rapidement détachée, eh bien, ensuite n'a jamais lâché l'avantage. Et ce sera évidemment une nouvelle fois très important de bien débuter. On voit tout de suite Carlo Balaben, l'un des meilleurs tireurs de la planète, qui va s'exercer tout de suite. Complètement, un tir réussi de Carlo Balaben. Il est clair, comme on l'a vu, hein, les parties se jouent en 2 heures de temps ou 13 points. Donc les minutes s'égrènent. Très rapidement, on va jouer à peu près une dizaine de mains. Donc il est clair qu'il ne faut rien manquer, toujours être très vigilant. On a vu que les moindres faux pas se payent cash, hein. Quand on a vu évoluer Saint-Vulbas, hein, qui se sont troués sur une main et qui ont subi les foudres de Gap. Et également dans l'autre demi-finale, où, comment dirais-je, nos amis italiens se sont également imposés nettement. 13 à 7 contre l'Ardèche. Bien Fred. Bravo petit. Bravo. Et on voit tout de suite le niveau qui sera très élevé. Cette première main donne le ton de cette rencontre et de cette finale. Tout à fait. Donc là on a aligné l'équipe, je pense, la plus expérimentée. Hein. Hugues Bruyant a fait une belle demi-finale. Là on fait passer Fred Assensi, pointeur de tête, et on fait rentrer un très très grand joueur, très précieux pour l'équipe de Gap, qui est Sébastien Charousset, ex-international. Et pointeur en seconde de renom. On a fait quelques modifications, alors que pour la BRB Italie, on est resté exactement sur la même composition d'équipe qu'on a vu lors des demi-finales. Étonnant là, le choix d'avoir fait l'option de pointer. Assez étonnant en effet, puisque la boule quand même de Fred Assensi est très très près. Possono andarci loro. Sotto di boccia. Carlo. Toujours ce dispositif sur la chaîne L'Équipe qui vous permet d'entendre les discussions entre joueurs. On est vraiment au cœur de l'action, au cœur des décisions, au cœur de la tactique. Carlo. Architettonique.
Nous, quand on peut y aller, moi, ça va. Et là, on rappelle la règle, Jacques. Tout à fait, tout à fait. Gaël, donc il faut absolument, pour que le tir soit valide, que la boule soit à l'intérieur d'un cercle de 50 cm. Et on a vu la boule, comme vous l'avez sur la ralenti d'Hervé Croisac, la boule de l'international italien est tombée à quelques 60 cm. Et donc le coup de tir est irrégulier. Et on va remettre, la boule à sa place. Le cercle un peu virtuel est matérialisé par la petite bandelette blanche que vous voyez, qui est remise en place. Exactement, et donc à l'image de Daniele Grosso, les Italiens vont recommencer à tirer. Pour chaque main, il y a 8 boules, 2 boules jouées par chacun des 4 joueurs. Daniele Grosso là qui enlève la boule diapensaise. Énorme, Gap a pris un petit avantage par cette boule manquée au tir de Carlo Balaben, d'une part, et la boule de Pierre Luigi Galliero qui est légèrement sur le côté du but et qui ne devrait pas gêner Sébastien Charousset pour effectuer la reprise du point et redonner l'avantage aux Français. Allez Seb, allez. Allez Seb. Jouer ça grand. Oui, Seb, bravo. Vous le disiez, on amène de l'expérience, on amène du talent aussi avec Sébastien Charousset, deuxième pointeur, et qui pour sa première boule fait déjà des merveilles. Complètement, donc beaucoup d'espérance, beaucoup de sérénité pour jouer ces Italiens. Et les Italiens sont très difficiles à manœuvrer. Et là, on a mis vraiment l'équipe Capan 16, je pense, dans la meilleure composition pour aller tenter de chercher, d'aller chercher cette finale. Allez Pierre, dai. Pierluigi Galliero maintenant. Dans un style que j'adore, jeter du bout des doigts, accompagné à perfection. Mais ça ne sera pas suffisant pour le coup. Obviamente, perdre. Et pour cette première main, l'équipe de Gap est en train de prendre un petit ascendant déjà. Et là, vu la configuration de cette main, je crois qu'on va être sur une tentative d'annulation de la part de Daniele Grosso. Alors expliquez-nous rapidement. Alors l'annulation en défense, c'est une boule au but. On va tenter d'annuler en tirant une seule fois de but. On a le droit de tirer une seule fois de but en défense. Voilà ce qui va être fait, puisque Gap a 5 boules au râtelier et l'Italie 3. S'il parvient à enlever le but, bien la main sera annulée. On repartira sur un 0-0. Exactement, Gaël. Et on va voir Daniele Grosso. C'est la défense ultime. Hein. Voilà, dans cet exercice où il a une très grande pratique et une très grande maîtrise. Geste très difficile, évidemment. Et c'est raté par Daniele Grosso. C'est manqué l'entrée de jeu. Et du coup, double conséquence. D'abord, l'amène ira à son terme. Et la deuxième conséquence, c'est que Gap devrait marquer les premiers points de cette finale. En espérant qu'eux réussissent, en espérant pour les gars français, bien sûr, qu'eux réussissent les boules qu'ils auront, les 5 boules qu'ils auront à jouer encore au râtelier. Mais bon, ils ont net avantage. On est à pied de jeu, hein, puisque je vous rappelle que l'on joue entre 12,50 m et 17,50 m. Et là, donc dans le rectangle de jeu, on est à 13 mètres à peu près. Donc on est vraiment... On joue vraiment très court, 13 mètres 20 à peu près. Emmanuel Brudzon. Emmanuel Brudzon qui nous a fait rêver lors de cette demi-finale, a carrément manqué la boule. Buona questa, Et attention parce qu'il ne reste plus qu'une seule boule à jouer pour les Italiens, alors que les gars pensaient ont déjà virtuellement un point, avec ensuite 5 boules à jouer derrière. Attention, qu'après l'échauffement, les Italiens n'aient pas pris la lecture du jeu, n'ont pas été assez attentifs et leurs boules ne sont pas très très bien jouées en bas. Celle-ci est beaucoup mieux jouée, elle est un peu forte. Elle est un peu forte là. On va écouter ce que vont décider les Français maintenant.
Bah, tu as le but. On pointe, mais le but fait 4, hein, c'est le pas but mal. Fait 4, hein. C'est celle-là, c'est pour la tirer. C'est, on va pas tirer celle-là. Non. Celle-là, c'est rarine. C'est une chose, ça. Moi, j'achèterai ma boule au jeu pour faire à 4. Allez. Ah, mon grandé, là. Fait encore plaisir. Tu viens, ouais. Tu vas où j'y vais? J'y vais. Vas-y, c'est toi d'aller tirer. Allez, Luc. Allez, grand, allez. Allez, fais bien plaisir. Si on puisse parler gaponçais, Luc Héral va tenter de tirer le but pour 4 points, pour 4 unités. Il y a 5 boules au râtelier, donc il tire un but d'attaque. S'il a le bonheur de tirer le but et réussir donc de tomber à l'intérieur allez, de 50 centimètres. Allez Luc, encore un effort là, allez. Les gaponçais scoreront 4 points, ce qui est énorme à ce niveau de la compétition, bien évidemment. Au revoir. Aïe, 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 c'est raté. Rien, de la part rien. De Luc Héral. C'est rien. Mais les joueurs de Gap ont toujours d'une part l'avantage et pourraient, avec 4 boules encore pour atelier, comme vous le disiez, bien rajouter des points. Mais ça va être maintenant une question de précision. Voilà. Il va falloir pointer obligatoirement. Plus difficile là, puisque, comme vous le voyez, ils vont devoir rentrer dans un rayon de 50 cm, puisque les deux boules italiennes sont en protection derrière. Donc il n'y a rien qui gêne devant, en effet, mais il va falloir qu'ils prennent un grain, une force parfaite pour pouvoir rajouter. C'est plus difficile. L'option du but semblait plus simple. C'était celle que moi, personnellement, j'aurais adoptée. Malheureusement, pour Luc Héral et les gaponçais, il n'a pas réussi cet exercice. Sébastien Charousset va tenter de se rappeler comme il a joué la première boule, elle est montée à la perfection. C'est super, vraiment joué. Super. Ça fait 2 points déjà pour Gap, avec encore 3 boules à jouer. Il y a peut-être, ils peuvent faire mieux que les 4 points. Tout à fait. Mais c'est plus difficile. Sera beaucoup plus difficile, mais ils peuvent faire mieux en effet. Mais comme vous le voyez, les deux boules de si Sébastien Charousset ont été jouées passé, à la perfection. Allez. Et en même temps. Pour avoir vu la demi-finale de Romain Garcia, que vous avez suivi également sur la chaîne L'Équipe, c'était un vrai bonheur. Il n'a quasiment rien raté, que ce soit au tir ou à la précision. C'est pas mal. S'il a le poids, cela devrait compter également. Bravo. Ça fait 3 points pour Gap déjà. Super Romain Garcia, il continue, hein. Il continue avec Fred Asensi. Hein. Ils sont. Il continue dans un exercice de points quasi parfait. Et comme vous le disiez fort justement, on a tiré le but 4 parce qu'on pensait que c'était plus simple. Et il faut jouer perfection pour pouvoir rajouter des points. Ils l'ont fait Sébastien Charousset et Romain Garcia pour sa première. Romain encore, allez. Il va retenter de. Une nouvelle fois d'ajouter. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, celle-là. Elle manque de force. Elle manque de force, elle est tombée basse. Allez, grandé. Bon, rien de dramatique évidemment pour cette équipe de Gap qui a déjà 3 points au tableau d'affichage virtuellement en tout cas. Pour eux et leur morale, il serait bon de scorer les 4 points, ce qui effacerait la contre-performance, si je puis me permettre m'exprimer ainsi, de Luc Héral. Bien évidemment, un but est très très difficile à toucher. Allez, Lucky, là. Allez. Allez, Luc. Bien douce, Luc. Bien douce, ça roule. Ça nous perd, ça va vite. Vite fait de. Pour le moins d'être court, moi, je. Attention à ne pas prendre de but. Bravo, non plus. Bravo, allez, super, bravo, bravo, Luc Héral. Bravo. Eh bien, superbe début de match et début de finale pour l'équipe de Gap qui ouvre le score. Et mieux que cela, inscrit les 4 premiers points de cette finale du meeting GDP Vendôme 2017. Nul doute que les Italiens vont essayer de réagir très rapidement dès la deuxième main. Continue bien Fredo là, allez. La deuxième mène entre Gap et l'équipe d'Italie. Les gars pensaient.
Donc les gars vont surfer probablement sur leur excellent début de match. Tout à fait, ils annoncent la couleur puisque. Et leur demi-finale d'ailleurs. Puisqu'ils jouent loin, ils jouent à 16m50, pratiquement 17m. Allez, Fred. Sous les yeux de Jean-François Gobertier et du président Philippe Coquet, président de la fédération. C'est comme ça pour les Africains. Je rappelle qu'en demi-finale, cette équipe de Gap a mené 11-0 contre Saint-Vulba avant de s'imposer finalement 13-6. Mais sans suspense, évidemment. Ils ont pris le large, Saint-Vulba s'étant désunis, ils ont pris le large, ils se sont irrités désunis, ils ont pris le large, ils ont maintenu cette avance jusqu'au bout du temps. 16m40, vous le voyez pour... la distance entre le joueur et le but, alors que Carlo Balaben va essayer d'enlever la boule gapensaise. Il fait. Bravo, bravo. Et oui. Avec un peu de réussite, la réussite des champions probablement. Avec beaucoup d'efforts. On a entendu un de ses partenaires italiens dire « Esperienza », c'est l'expérience. Allez, Fredo. Nos Français sont vraiment bien rentrés dans cette finale pour faire douter les Italiens et leur dire que ça ne sera pas facile pour eux. Et Frédéric Cassensi, tout de suite, vient remettre la pression sur l'équipe italienne. Magnifique. Bravo. Là, c'est impossible de faire mieux, Jacques. Toujours très précieux, Frédéric Assensi, toujours super. Il nous régale. Il a un jeu au point, demi-finale, l'entame de cette finale, perfection. Perfection de Fred Assensi, la boule, elle est jouée avec des lectures de trajectoire qui sont vraiment superbes. On sent quand elle est sortie de la main que ça ne va pas lui échapper. Et il oblige Carlo à s'employer une deuxième fois. Là, c'est beaucoup plus propre. Voilà, ce qu'il réussit à merveille. On rappelle quand même que l'ossature de cette équipe italienne aujourd'hui est la même que celle qui a remporté l'édition 2016. Oui, tout à fait, Gaël. Oui, on est sur la même ossature italienne qui a remporté le meeting en 2016. Allez, Seb. Avec à la tête le très grand champion qu'est Carlo Balaben avec ses 17 titres internationaux, dont 11 titres de champion du monde. Mais pour autant, nos Français n'ont pas à rougir, puisque Frédéric Assensi vient d'être rappelé dans l'équipe de France. Il a fait le plus grand tournoi au monde en double, le trophée Charles Béraudier, avec l'équipe de France, donc sous Manu Billon, le sélectionneur de l'équipe de France. Et Romain est un titulaire incontestable de l'équipe de France. Donc on est sur un petit France-Italie. Qui donne encore plus de prestige à l'affiche. Bravo, Sébastien Charousset qui confirme son bon début de match lui aussi. Et là, les Italiens sont en train de se dire qu'il faut laisser passer l'eau à rage, j'imagine, parce qu'il n'y a pour l'instant pas grand chose à faire si ce n'est d'enlever boule après boule. C'est clair. On voit Sébastien Charousset dans la suite de Frédéric Assensi venir encore très très près du but et obliger les Italiens à s'employer une nouvelle fois, donc à 16m40. Daniele Grosso restant sur un échec au but à la main précédente. Daniele Grosso qui réussit une nouvelle fois son tir. Là, pour l'instant, trois boules ont été jouées de chaque côté. On a pu apprécier. Et le terrain est absolument nettoyé. Sur le ralenti d'Hervé Crozat, on a pu apprécier l'intensité du regard et la volonté chez Daniele Grosso. Dans son geste au tir. Ouais, gros joueur, grand compétiteur également. La force des Italiens, c'est qu'ils n'ont jamais perdu. On l'a vu en quart de finale contre les Croates. Exactement. Ils étaient menés 5-10. À un quart d'heure de la fin et ils ont gagné 11-10. Et les Croates ne sont pas les premiers venus en plus. Sébastien Charousset, donc une nouvelle fois à l'exercice du point pour revenir encore, tenter de revenir très très près du but. Elle est jouée vite celle-là.
Allez jouer légèrement plus vite. Allez jouer légèrement plus vite. Il est parti avec. On l'a vu tout de suite. Attention, elle est sortie. Elle est sortie sur la ligne latérale. Donc la boule était. La boule est faute, elle est annulée. On l'a vu tout de suite dès qu'il s'est précipité. Là, il accélère, c'est trop tard. Ah, c'est une boule cadeau. C'est la première erreur, oui, véritablement, de cette équipe de Gap lors de cette finale. Il y avait eu le but qui n'avait pas été attrapé en position offensive, mais finalement, ce n'était pas très important. On a pu voir qu'il a transféré trop vite ses épaules. Il s'est précipité. Il a donné de l'accélération à la boule. Alors que pour sa part, Pierluigi Caliero... Je trouve vraiment le style, je me répète peut-être, mais le style de Pierluigi Caliero, vraiment le style idéal. Il ne précipite pas trop ses épaules, il donne un transfert juste. Il n'accélère pas quand il jette la boule. Il donne aucun tour de main. Allez, grand. Allez, Luc. Luc Héral qui va tenter de tirer la boule italienne. Et c'est réussi. C'est fait. On a vu le rebond juste devant la bandelette blanche. Oui, 46, 47 cm devant. Il a vraiment pris tout ce qui lui était autorisé de prendre, Luc. Oui, tout à fait. On peut parler de détails, Jacques, mais à ce niveau-là, ce sont les détails qui font toutes les différences. En effet. Ah, c'est pour eux. En effet, donc il oblige Pierluigi Caliero à répéter son geste et à tenter de revenir. Il va manquer légèrement de puissance. Pour autant, encore un petit peu fort. Cette position, c'est dans le même esprit. Aix-les-Bains mène 3 à 0 face à Saint-Vincent. Ah oui, c'est entendu là les joueurs français qui souhaitent pointer, essayer de reprendre le point. Jacques, on est 3 boules contre 3, la boule est devant. Elle est un peu loin. C'est la première fois qu'il y a une porte ouverte un petit peu. Hein. Oui. Il y a la possibilité dans cette main en tout cas. Pour autant, on est sur des bases de parité. Si Romain a la force, ce qu'il a. Bravo, Romain. Bravo. Il reste devant le but, ce qui est toujours appréciable. Là, impressionnant, il va obliger, avec cette belle réussite au point, il va obliger les Italiens à les tirer parce que il est très très difficile de prendre ce point à l'endroit de jeu. Mais c'est la deuxième boule de Daniele Grosso qui ne pourra plus tirer ensuite. Oui, enfin derrière on a Emmanuel Brutzone qui sait tout faire. Oui, autant efficace comme d'un autre côté on a Fred Asensi et Sébastien Charousset qui sont d'excellents tireurs. Ouais, super. Il a enlevé la boule gapensaise. Allez, Romain. Et là, c'est de nouveau le même joueur français, en l'occurrence Romain Garcia, qui va s'employer une nouvelle fois pour essayer tenter de faire la même chose. Voilà, de réussir une deuxième boule. Celle-là, elle est moins montée. Si par bonheur, il peut prendre en dessous. Par contre, il a à chaque fois un poids magnifique. Il a une force magnifique. Ce qui lui permet, même si la boule n'est pas montée vers le but, de reprendre le point. Ouais, on rappelle que les gars français jouent avec les boules roses et les Italiens jouent avec les boules vertes. Et c'est à maintenant Emmanuel Brutzone de s'employer. Il ne reste que deux boules à Emmanuel Brutzone contre une boule à... à Luc Héral. Donc attention, la moindre boule évidemment peut se transformer en point. Il a une belle cible, Emmanuel Brutzone, avec la boule qui est devant, la boule de Pierluigi Caliero. Ça lui donne un bel indicateur, il s'en sert. Parce que s'il touche un peu la boule,
Bravo. S'il avait touché un peu la boule, il faisait, même deux points. Oui. Se la sfiori puoi farne due. La forza ce l'avevo, da. La forza ce l'avevi. Quoi faire? Obligé d'aller. Allez, top, il a la boule. Allez, encore un petit effort. Voilà. Allez, Lucky, encore une, là. Encore une pour moi. Ils ont pris la décision d'aller tirer. Allez, Luc, allez. Parce que Luc avait peur de rentrer la deuxième point aux Italiens, la boule devant, ce qu'a failli faire Emmanuel Ebrotson. Putain, il manque... Allez, Luc. Allez, encore une, grand. Allez. En se disant que s'il arrive à enlever la boule italienne, ouais, au pire, les Italiens ne marqueront qu'un point. Je la monte trop. Ouais. Puis après, j'ai traversé la partie d'avant. Mais si je fais encore bien près, j'ai oublié. Manqué. Okay. C'est pas possible de tomber. C'est grave, allez, c'est quoi, ça me saoule. Attention, parce que les Italiens réagissent très vite. Là, ils étaient menés 4-0. Ils vont marquer un point, c'est une certitude, et probablement un deuxième. Et peut-être un troisième. Parce que Emmanuel Brunson avait une force impeccable pour pouvoir rentrer la boule de Pierluigi Calliero. Ouais. Et si par bonheur, il joue la même en touchant la boule de Pierluigi, ça fera scorer 3 points aux Italiens. Et c'est ce qu'il a tenté. Il va passer pour marquer un troisième point. Il va en marquer deux et c'est déjà très bien joué pour les Italiens qui réagissent immédiatement après avoir été menés 4-0 après la première main. Eh bien, ils réduisent légèrement l'écart au score. Ils ont déjà rattrapé la moitié de leur retard puisque le score est maintenant de 4 en faveur de Gap et de 2 en faveur des Italiens. Zuppano proprio. 25 minutes de jouer déjà dans cette finale du meeting GDP Vendôme 2017. La première étape ici dans le boulodrome de Saint-Vulba. Et ce sont les Français de Gap qui ont le mieux débuté cette rencontre. Pour autant, si on analyse cette deuxième main, les Français ont joué 6 boules sur 8. Et ils ont pris 2 points. Donc ça veut dire que les Italiens mettent tout de suite la pression sur l'équipe française, parce que quand on réussit 6 boules sur 8 et qu'on prend 2 points, ça tente à dire que l'adversaire a réussi 8 boules sur 8, ce qui a été le cas. Un grand chelem sur la main précédente, effectivement. Alors qu'on jouera à 15,70 m. Une volonté souvent des Italiens, on l'a vu durant tout le tournoi, de jouer systématiquement long. Oui, mais pour autant, c'est aussi le jeu de nos Gapensac qui aiment beaucoup jouer long. Donc là, on est revenu sur des distances un peu moins grandes, mais il est clair que les Italiens adorent jouer très loin. 16 mètres 50. Parce que par principe, les Italiens ont une excellente école de pointe. Bravo Fred, bravo. Mais là, ils ne peuvent pas damer le pion à un Fred Asensi qui est juste au-dessus de tout le monde. Et le fait est qu'ils ne prennent pas l'option de jouer très loin parce que Fred Asensi est réglé comme une horloge suisse. Hey Carlo. Et donc ça va les obliger, les Italiens, à les tirer sans cesse. Donc autant tirer à 15 mètres qu'à 17 mètres. Quand t'arrives Carlo Balaben, on a compris que c'était pour tirer. Oui. Faire le ménage, effectivement, autour du but. C'est parti. Allez. Et c'est raté de la part de Carlo Balaben. Alors regardez bien, parce qu'à mon avis, il ne va pas en rater beaucoup dans cette finale. Tout est de quelle part lì. Deux jours de quelle part lì batto. Voilà. Donc, il nous a expliqué le pourquoi du comment. Mi sembrano chissà dove. Ça fait deux jours qu'il tombe toujours à gauche. Toujours à gauche, depuis deux jours. Donc ça l'irrite. Du coup, on va changer d'option, visiblement. Oui, tout à fait, parce que... Le côté italien. On va tenter avec Pierluigi Calliero de venir gagner le point en menaçant la boule de Fred Asensi, mais c'est un exercice périlleux et difficile. Et pour le coup, Pierluigi Calliero ne s'y emploie pas, mais l'exercice est hyper difficile. On joue quand même sur une boule qui est 25 cm par côté. Et regardez, on a essayé. En haut à gauche, vous pouvez à chaque fois, à tout moment, savoir combien de boules il reste à jouer. Pour chaque équipe, 5 pour les Italiens, encore 7 pour
les Gapensais, en tout cas pour cette troisième main. Sur les 8 que compose chaque équipe. Hein. Nous jouons 2 boules chacun, 8 boules. Et on va revenir à l'option du tir pour Carlo Balabé. Oui, pour détruire des points, pour faire jouer des boules. Voilà, pour faire jouer des boules absolument aux Gapensais. On a tenté l'exploit au point, mais c'était très très difficile. Donc tout de suite derrière, on va retirer pour faire jouer des boules. Il faut absolument que le nombre de boules au atelier des Gap soit diminué pour après prendre des options finales. Sur la main, qui sont soit celles de tirer au but, de continuer de tirer sur les boules pour détruire. Rappelons que Gap mène 4-2. Allez, Fredo. Il y a un vrai gros coup à jouer pour les joueurs de Gap sur cette troisième main. Là, là, on est sur une superbe boule de relance de la part de Fred Asensi. Ça court, non ? Il y a un peu vite. Non. Ce n'est pas court. C'est parfaitement bien joué, plus exactement. Bien exigeant, Luc Herral. Il la voyait quelque peu forte, il est vrai qu'elle est forte, pour autant elle est 25 cm derrière. Voilà, donc le but maintenant des Italiens, ils ne se posent pas la question, on ne va pas tirer. Puisque la boule est passée derrière le but, on va tenter de venir la menacer, de prendre le point et de venir la menacer. Pour qu'en cas de tir réussi, voilà, pour qu'en cas de tir réussi de Gap, on puisse avoir un éclat. Avec, vous le voyez au centre de l'image. Sébastien Graille et... Fabio Laposta, Fabrice Laposta, les organisateurs de ce magnifique meeting GDP Vendôme dont nous vivons ici la finale de la 6e édition. Organisateur et grand joueur. Et grand joueur, oui, tous les deux champions du monde, Sébastien Graille, recordman du monde du tir progressif. Voilà ce qui devait arriver arriva. Et la boule légèrement jouée forte par Fred Asensi a permis à Emmanuel Rotson de venir reprendre le point et surtout de venir reprendre le point contre la boule du Français. Obligeant Sébastien Charousset, voilà nos deux protagonistes. Fabrice Laposta à gauche, Sébastien Graille sur la droite. Et on les remercie. Alors ils sont un peu frustrés de ne pas jouer parce que c'est des très grands compétiteurs, mais il y a une telle organisation que cette année ils soufflent un peu. Parce que joueur et organisateur, c'est beaucoup trop compliqué. Donc Sébastien Charousset au point. Pour tenter de venir exactement faire la même chose qu'Emmanuel Brudson, c'est-à-dire de reprendre le point devant, comme vous pouvez le voir sur ce plan plus large. Sébastien va tenter la reprise dans l'axe du jeu. Il est encore très vite, Sébastien. Il est encore très vite, il va passer au travers. Ah, dommage pour Sébastien Charousset, effectivement. Dommage pour les Français, ils avaient un bel avantage, ils viennent de manquer... C'est une boule de perdu, le relance. Oui. J'avais pas, non, mais tu as. Mais je suis fort aussi. Allez, ils sont encore 5 boules 3 hein, au râtelier. Ils sont encore 5 boules 3, mais pour autant, ils ont diminué le bel avantage qu'ils avaient. Ah, Seb. Une occasion de passer, ne pas en laisser passer une deuxième. Celle-là est mieux jouée, mais elle va manquer de force. Manquer de puissance, là. Ah, Sébastien vient de manquer la relance alors qu'il avait fait une superbe entame de finale. Malheureusement pour lui et pour Gap, il a manqué la relance. Et ben, il remet les Italiens en selle, puisque après la boule jouée par les Français, quelle que soit leur décision, on se retrouvera 3 boules contre 3 au râtelier. Tout qui part, il faut qu'on rejoue. Il y a quand même, Jacques, j'ai l'impression que ce sont des erreurs que les Italiens ne font pas ou très peu. Oui, enfin, jusqu'à présent, Sébastien avait été très précieux pour l'équipe de Gap, hein, puisqu'il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Malheureusement, il a perdu sa boule sur le côté latéral, la passe d'avant, la main d'avant. Là, il vient de manquer ses deux boules, c'est préjudiciable. Allez, Romain Garcia qui est absolument exceptionnel depuis le début du tournoi, probablement le meilleur joueur de cette première étape. Oh là là, encore elle passe juste à côté comme quoi. Hein. Manque de réussite. Cette boule jouée. Manque de réussite, mais pour autant, Gaël, il doit aussi passer, il doit surtout pas toucher la boule de Sébastien Charousset. Donc il est obligé de jouer un peu extérieur, vous voyez. Et en jouant un peu extérieur, il vient s'appuyer, mais pas du bon côté.
parce qu'il doit passer la boule de Sébastien Charousset est très gênante devant. Vous voyez déjà les gars penser mener 5 ou 6 à 2 à la fin pour de cette semaine et finalement est-ce que ce ne sont pas les Italiens qui vont recoller la reprise du point par Emmanuel Ebruzzone a collé à la boule de Frédéric Asensi a été superbe sous les yeux de notre arbitre international Christophe Levaillant qui officie ici avec Eric Charvin, donc ce qui se fait de mieux dans le corps arbitral en France et certainement dans le monde. Donc voilà, juste à la hauteur de cette magnifique épreuve qu'est le meeting GDP Vendôme, hein, nous rappelons la Champions League du Sport Boule pour sa 6e édition. Il y avait des Croates, des Slovènes, des Italiens aujourd'hui. Voilà, la boule à Sébastien Charousset qui vient faire obstacle pour empêcher Luc Héral de reprendre le point. Le souci, c'est que Sébastien Charousset a manqué sa boule. Allez, en plus, allez, faire là. Là. Allez. Allez. Allez, Romain, tu es capable là. Allez, allez, mon Romain, va me chercher. Retournement incroyable. Ouais. Ah oui, incroyable. Là, 4 boules. Allez, Rome, là, fais-nous l'exploit. Là, allez. 3 boules consécutives qui ne donnent rien. Fallait que je passe du à côté de Gap. Hein, 7 boules contre 3 et on va. Bah, c'est moi qui suis au milieu. On va tirer au but au final. Allez, Romain. Allez, petit. Pour essayer d'annuler. Allez, Rome, fais-nous le là. Allez. En plus, problématique. Allez, comme vous le voyez, il tourne, il ne voit pas le but. Ce qui est quand même embêtant difficile, pour. Difficile. Pour l'enlever. Ne pas avoir la conséquence s'il arrive à l'enlever. Voilà, ça l'oblige au jugé à poser la boule juste derrière la boule. On ne voit pas et pourtant. Oh, et super, pourtant, super, mais énorme, énorme. Énorme Romain Garcia qui va faire l'annulation, mais dans un angle impossible sans voir le but. C'est juste magnifique. Du grand, grand, grand Romain Garcia. Voilà le talent de Romain Garcia. On le disait, probablement le meilleur joueur depuis le début de cette première étape du meeting GDP Vendôme 2017. Il le prouve encore une fois à l'instant même. À l'aveugle, quasiment sans voir le but, eh bien, il parvient à aller l'enlever. La conséquence, c'est qu'il annule la mène et que le score est toujours de 4 à 2 en faveur de Gap. Et on attaque la 4e main maintenant avec les Italiens qui vont pouvoir rejouer un petit peu plus long. Un peu plus long parce qu'ils ont vu les pointeurs français là quelque peu se disunir. Et un Pierluigi Caliero qui est bien réglé, donc il joue un poil plus long. C'est incroyable tout de même, hein. On était sur une superbe marque des Français la première main. Ils ont joué 6 boules sur 8, ils en ont pris 2 la deuxième main. Et là, en ayant 7 boules au râtelier contre 3, ils ont au final, il a fallu un super Romain Garcia pour redonner les boules aux Français. On voit bien que les Italiens ne lâchent rien du tout. Hein. Et on est à 16 mètres 30 en termes de distance. Svergionata ben. Speriamo che si tenga. Superbe. Speriamo. Pas mal. Bien joué. Alors quoi faire du côté de Gap? Je pense que j'aurais pris l'option moi de pointer parce qu'elle est légèrement sur le côté, elle est à 70 cm. Bah, ce que va faire Fred Asensi. Hein. On n'a même pas pris l'option de discuter sur la tactique à adopter. Hein. Frédéric a été tout de suite se rendre sur la ligne de jeu pour jouer sa boule au point. Il faut quand tu joues. Et en plus, elle est plein axe. Elle prend le point et elle gêne les Italiens. Elle gêne les Italiens, elle oblige les Italiens à tout de suite aller tirer sans même se poser la question. Elle est jouée magnifiquement bien. Et déjà 35 minutes, bientôt 40 de jouer dans cette finale. 4e main. Et les Italiens obligés de s'employer au tir avec Carlo Balavec. Ce qui est bien fait. Les Italiens ont donné le ton, ils sont rentrés dans la partie. Hein. Il n'y a quasiment plus de déchets dans le jeu italien. Je crois que les diapensés ont vraiment été inspirés de prendre les devants et de mener 4 à 0 très vite, là, dès la première main, parce que depuis... Ils nous refont la même chose qu'en demi-finale. Hein. Ils ont pinaillé un peu au début de la partie contre l'Ardèche et après, dès qu'ils ont mis la machine en route, ça a été. Ils ont interverti les deux tireurs, hein, puisque Carlo Balaben n'a plus pas vocation d'être tireur second.
ils ont interverti et là ils ont envoyé du super lourd. Hein. Et là je crois qu'ils ont pris la mesure de cette finale. Il y a encore. Je vais encore. Hein. Et... qui va prendre de nouveau le point. Pardon. Bien joué pour autant, il est un peu derrière, c'est un peu dommage, mais c'est superbement bien joué. Espérons pour lui que Pierluigi Calliero ne va pas venir comme l'a fait Emmanuel Evertson la main précédente, s'appuyer sur la boule et reprendre le point. Et toi, questo qua mi butto per terra. Sporchi, bagnato, cioè. Dai, Pier. Ma quella sei che madrisse. Dai, Pier. Da un bello corpo da una parte. Allora, Pierluigi. Io starei più sotto. Sai che? Calliero. Non ha mai giocato. Nel giro, un pelino. Questa qua però l'ho giocato meglio. Questa qua va in montagna. Particulier. À la fois beau à voir et efficace. Bravo, Pier, bravo, becca. Bravissimo. Becca, come dicono gli italiani, donc la boule ha repris le point. Più peligroso se ne fa, le misura tutti. Questo qua. Là, c'est Fred Herald qui va venir se présenter pour. Luc Herald, oui, tout à fait. Luc, pardon. Luc Herald pour enlever la boule italienne. On va choisir le tir du côté de Gap. Le tir est un tir délicat, s'il le peut, c'est-à-dire de toucher la bonne boule, bien sûr, sans avoir l'éclat sur la sienne qui est juste derrière, la boule de Fred Asensi, parce qu'elle est prête, elle a de la valeur tout de même. Donc s'il peut l'échapper sur le coup de tir, ça serait bénéfique au Gapensais. Double difficulté. Superbement bien tiré, sans éclat, magnifique. Et vous avez vu la boule de derrière dont parlait Jacques juste avant. Regardez bien, la première, c'est la boule italienne. Elle est enlevée. Là, et la deuxième, elle reste parfaitement en place. C'est absolument magnifique. Parfait. Magnifique, un tir d'une très grande précision, d'une très grande classe. Allez. Mano. Et donc Emmanuel Evertson va tenter, comme son compère vient de le faire, Pierluigi Calliero, de venir exactement au même endroit pour encore une nouvelle fois menacer la boule de Frédéric Assensi. Montagne. Celle-là, elle est jouée un peu extérieure, bravo, mais elle revient à ses jouets. Perfection. Bravo. Perfection, vous avez eu cette belle lecture de trajectoire. La boule, en perdant de la vitesse, elle est retombée vers le but. J'ai l'impression que dans ce sens du jeu, il faut beaucoup jouer sur l'extérieur à droite. Parce qu'ensuite, la boule... Vous voyez, elle vient retomber. Voilà. Elle vient retomber vers le but. Et elle menace une nouvelle fois la boule gapensaise et va obliger Kéral à refaire ce qu'il a réussi il y a une minute. Sauf que là, les deux boules sont encore plus proches et que c'est encore plus difficile. Mais il a la capacité de réussir une nouvelle fois. Il a enlevé la boule italienne, mais il a également il a eu l'éclat sur la boule de Frédéric Assensi. Et ben, il oblige les Français à les pointer pour reprendre le point. Donc deux points de haute précision effectués par Emmanuel Evertson et Pierluigi Calliero. Le premier s'est bien passé pour les Gapensais. Le deuxième, avec de la réussite sur la boule tirée, bien sûr, un peu moins à cause de l'éclat. Il reste 4 boules à jouer de chaque côté. Et là, il va falloir que Sébastien Charrousset élève son niveau de jeu. Il en a évidemment le potentiel, il en a évidemment le talent. Il faut qu'il nous le prouve. Et là, donc, le fait que les Italiens ont repris un léger avantage sur cette quatrième main, puisque l'éclat que vient d'avoir Luc Herald permet aux Italiens de faire compter la boule légèrement de côté, la première boule jouée par Pierluigi Calliero. Il est fort, très fort. Je pense qu'il a pris, mais c'est repris, mais ça va être juste. Hein. Et surtout, il a joué un petit peu trop fort. C'est un petit peu le souci là de Sébastien Charrousset depuis le début de cette finale. Et là, évidemment, on va simplement venir essayer de reprendre le point avec Emmanuel Evertson. Même s'il a repris le point. Il ne met pas les Gapensais dans un bel avantage puisqu'il est derrière.
Et on a vu le talent d'Emmanuel Ebrozen qui, tant en demi-finale, tant que sur cette finale, il a manqué une boule sur la première main. Et depuis. Elle est forte également, celle-là. Elle est forte également. Elle va passer derrière. Et bien, comme quoi, on rend un peu les politesses. Et là, attention, parce que le nombre de boules à jouer de chaque côté diminue, plus que 3 de chaque côté. Et ce sont les Italiens qui vont être obligés de s'employer les premiers avec Carlo Balaben. Alors, est-ce que ce sera pour tirer ou pour pointer, Jacques? Pour pointer, parce que ces hommes-là savent tout faire, évidemment. Pour pointer, parce qu'on va laisser tactiquement les deux boules dans la même main, c'est-à-dire les mains de Daniele Grosso, pour finir la main et voir ce qu'on va pouvoir exploiter après la boule jouée au point par Carlo Balaben. Là, Carlo est également vite. C'est incroyable. Ils ont fait deux reprises sur la première boule de Fred Assensi qui était magnifique. Celle de Sébastien Charousset est un peu plus loin. Ils ont joué avec un peu plus de légèreté. Ils sont encore plus vite que lui. Et... Donc une boccia bene, dai, se caramo una volta devono poi prenderlo quello lì, fisso sempre fisso. C'est le premier tir de cette partie. Et c'est una volta una boccia qui, una giocata male, abbi pazienza Daniel. Lunga, posato. Però gioco io ce ne lascio due in mano, se no rimaniamo con una boccia per lui. Sì. Ne gioco troppo poche, non ti puoi regolare. Passù da Rafa. Poi dopo lì corrono di più del Voilà, donc Carlo Balaben vient de dire qu'il en jouait trop peu au point pour pouvoir se régler, il tire tout le temps. Il l'a fait remarquer à ses partenaires. Et après, il avait gardé la bonne option de laisser les deux boules dans la même main en fin de main à Daniele Grosso. Daniele Grosso qui a très très bien joué. Bravo Dani. Bravo Dani. Super. Bravissimo. Bravo. Superbe. Donc même si les Gapensé ont un avantage de 3 boules au râtelier contre une des Italiens, la boule pointée vient menacer celle de Sébastien Charousset. Et les Français vont devoir s'employer jusqu'au bout pour pouvoir remporter le gain de cette main. Et oui, il leur reste 3 boules, vous le disiez, contre une seule aux Italiens. Bien sûr, forcément, il y a différentes options là qui peuvent être prises. La boule est très près, donc ils sont obligés de tirer. Allez, Romain, encore, là, et continue. Allez, Romain, allez, petit. Disons qu'on a un droit à l'erreur avec Romain Garcia, mais il l'utilise rarement, son droit à l'erreur. Oui, et là, s'il se trouve la chance de pouvoir toucher la bonne boule sans avoir l'éclat sur la scène derrière, il pourrait faire jouer. Bravo, super tiré, il a fait carreau, mais il a éclaté la boule de Sébastien Charousset qui était derrière. Donc les Français ont 2 boules contre une au râtelier, mais ils vont devoir s'employer à reprendre le point. Et comme je le disais, il va falloir avec cet éclat que les Français jouent bien jusqu'au bout pour remporter le gain de cette main. Rien n'est donné, non. Rien n'est facile dans une finale, et peut-être encore plus sur celle-ci, vu le niveau des deux équipes. Allez, là, il faut absolument ne pas rater. Les Italiens ont 2 points au tapis, dont une loin, mais la première de Pierluigi Galliero, elle n'est pas si mal que ça sur le côté gauche du but. À Sébastien de... absolument que Sébastien puisse reprendre le point. Allez, bien joué. Hein. Il manquait de puissance jusqu'à présent. Il était trop puissant, pardon, jusqu'à présent. Et là, évidemment, c'est toujours ce qui arrive, c'est que on veut tellement ne pas trop en mettre qu'on finit par ne pas mettre assez de puissance. Allez, bien sûr. Et du coup, Gap est toujours derrière. Compliqué, c'est chez Sébastien Charousset. Depuis qu'il a perdu cette boule sur la ligne latérale, il a manqué 2 boules qui ont obligé Romain à annuler la main précédente. Là, il a mis une boule derrière, il a manqué l'autre. Un peu compliqué pour Sébastien, cette entame de finale. Allez, Romain. C'est important pour Romain. Il faut absolument que Romain réussisse son coup de tir. Attention, parce que là, les Italiens reviennent à 4 à 3 virtuellement et peuvent revenir égaliser à 4 partout, alors qu'on a l'impression que Gap
sur les deux dernières mains, était vraiment en position favorable. Et attention, parce qu'à force de laisser passer les opportunités comme ça, il risque bien de s'en mordre les doigts. Malgré l'avantage de boule qu'avaient les Français, je vous avais préconisé, Gaël, qu'il serait difficile pour eux. Il fallait qu'ils jouent leur boule jusqu'au bout pour remporter le gain de la main. Et là, on va voir un Daniel Grosso qui va tirer deux points. Deux points et voire trois s'il a le bonheur. Après, c'est une réussite, hein. Mais d'embarquer avec la boule qu'il tire, la boule des Français derrière. Ah, manqué. Il n'y aura qu'un point, finalement, c'est moindre mal pour les joueurs de Gap. Un seul point donc pour l'équipe d'Italie, BRB, qui revient donc au score, qui recolle à 4, à 3, un point d'avance seulement pour Gap, maintenant qui avait gagné la première main et qui depuis est un petit peu en difficulté. Il y aura d'ailleurs un changement avec la sortie de Sébastien Charrousset et l'entrée de Hugues Briand. La cinquième main débutée par les Italiens. Allez, Pierre. Qui grignote. Alors, comme le sentait Gaël, hein, le changement, ça sentait le logique. Changement. Hein, oui, logique. Sébastien était sur 50, la performance de suite, c'est trop à ce niveau. Et donc, on va revoir le brillant. Applaudis quand même Sébastien Charrousset, évidemment, par le public ici du boulodrome de Saint-Vulba. Et Hugues Bruyant, qui va être lui aussi applaudi parce qu'il avait été très bon en demi-finale. Oui. C'était un choix d'homme, un choix de management, un choix tactique, mais ce n'était pas une sanction, hein, le fait non, qu'il sorte tout, de l'équipe. Il avait largement apporté son écho. Du tout. Donc là, on va voir un changement dans la composition de l'équipe de Gap, où Hugues Bruyant va passer pointeur de tête et Fred Asensi va passer pointeur second dans la même configuration qu'on les a vu évoluer en demi-finale. Voilà, donc les Italiens maintenant, vous voyez Gaël en début de main parce que les Français en début de partie pardon parce que les Français pointaient très bien. Les Italiens n'ont pas osé jouer loin maintenant. Ils ont pris un petit ascendant psychologique sur cette finale et ils reprennent leur petit bonhomme de chemin en jouant sur des bases de 17 mètres. Hein, on est à 17 mètres, on est pratiquement à la fin du rectangle réglementaire. Je vous le rappelle, entre 12,50 m et 17,50 m. Hugues Bruyant pour sa rentrée. La boule n'est pas montée, mais s'il a un petit bonheur, il a un petit coup de réussite. Un petit bonheur. C'est la réussite de bienvenue pour Hugues Bruyant. Cadeau de bienvenue. En tout cas, ça va lui faire du bien oui. Au moral. Et parce que sa boule n'était pas du tout montée vers le but. Et les Italiens se sentent forts et a priori ils ne vont pas du tout tirer cette boule du Bruyant mais plutôt essayer de venir perturber l'équipe de Gap en plaçant une nouvelle boule à proximité. Oui, pour autant en plus la boule du Bruyant est légèrement derrière le but donc si Luigi Caliero qui avait une superbe force de sa première réédite en la montant un peu plus vers le but, sa deuxième, il sera en mesure de menacer la boule du Bruyant. Il est encore bas. Bah et quoi, elles sont bien jouées. Ouais. Et là, il va enfin falloir du côté de Gap prendre cette opportunité. On est encore loin de la fin de la main, évidemment, mais clairement, le début de la main est en faveur des joueurs de Gap, mais il faut le matérialiser au classement, au tableau d'affichage. Et là, rappelons qu'on joue pratiquement au fond du jeu, hein, on joue à 17 mètres. Et là, c'est beaucoup de millimètres qui font la différence à cette distance. C'est très difficile. Superbe. Allez, Carlo Balaben. Plus la pression va monter, plus il sera précis, cet homme-là. Regardez le ralenti. Superbe. Regardez, c'est magnifique. On va faire des posters de ce ralenti-là. Il est beau, hein. Alors tout est beau. Les images sont belles. Oui. Et le talent aussi de Carlo Balaben. Ah, Luc, voilà, Luc. Donc il oblige Luc Herral à détruire les deux points de Pierluigi Galliero qui sont deux très beaux points vu la distance à laquelle nous jouons.
Bien. Super, bravo. Super, bravo. Super. Bien. Ça, c'est bien joué. Ça permet de complètement nettoyer le terrain et de revenir avec un terrain tout propre, mais avec une boule de différence quand même. Pour les gars pensés. Pour les gars pensés, oui. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, puisque Luc Héral nous a fait un 2 en 1. Là, il y a un vrai petit break de réussite là, dans cette cinquième main en faveur des gars pensés, mais on l'a dit, on l'a vu. C'était le cas aussi hein, sur la main précédente. La main précédente, et pour autant, eh bien, ce sont les Italiens qui ont réussi à marquer, à scorer un point supplémentaire, notamment grâce à cet homme, Emmanuel Brudzon. Bravo Manu. Super. Bravo, bravo. Tu manques. Alors, est-ce qu'il faut l'enlever ou est-ce qu'on essaie de pointer? On va tenter de pointer. Là, il n'y a même pas eu de discussion. En un regard, ça a été réglé, Jacques. Non, non, parce que Hugues Bruyant vient de jouer sa première boule. Il vient de rentrer. Donc, on va voir où il se positionne. Il est important de voir. Et surtout que la boule d'Emmanuel Brudzon, elle est bien jouée, mais elle est un peu sur la gauche du but. Donc, si Hugues Bruyant se rappelle des conseils qu'on lui a prodigués, c'est-à-dire de monter sa boule plus vers le but, il pourrait passer sans problème. De toute façon, ne pas jouer trop fort là. Il évite comme sa première. Il a rectifié aucune distance. Il a rectifié aucune distance. Ça semblait dès que la boule a quitté sa main, on l'a senti, hein, Jacques. Ouh là 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 là. Ils n'ont pas voulu trop insister sur le fait que sa première boule déjà était légèrement forte et qu'elle a bénéficié de toucher la boule de l'adversaire pour s'arrêter. Celle-ci a rien touché, elle a traversé le jeu et là elle laisse un certain avantage aux Italiens. Donc. Et Frédéric Assensi qui va essayer de rectifier la petite erreur de son coéquipier. C'est pas une boule perdue mais pas loin, hein, la dernière là, c'est dommage. Cet avantage est quasiment éliminé. Oui Fredo, allez. Celle-ci me semble bien meilleure. Si elle arrive. Bien. Bien, Fred. Il a tout pris. Fred Assensi, je la voyais plus arriver. Je la voyais courte et au final, elle a fait l'effort nécessaire pour venir reprendre le point. Et puis elle est embêtante parce qu'elle est vraiment sur la trajectoire du but. Je pense que les Italiens vont tirer sans même se poser de questions. Ils vont pas prendre le risque de venir derrière sans prendre le point. Donc, bah, ils ont pris la décision de pointer, c'est osé parce que l'endroit de jeu n'est pas si simple que cela. Ils se sentent forts probablement et ils ont une énorme confiance. Personnellement, j'aurais tiré. Mais bon, après, voilà, c'est Emmanuel Brudzon a tellement été précis et précieux sur ces terrains de Saint-Vulbas que voilà, c'est faut pas qu'il fasse. Ah, bah oui, évidemment. Évidemment, mais comme vous pouvez le voir, Gaël, il passe à quelques centimètres de la boule. S'il vient derrière la boule, il perd carrément l'avantage. Ouais, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais ce pas grand-chose tourne souvent en faveur d'Emmanuel Brudzon. Et ce n'est évidemment pas un hasard, mais plutôt le fruit du talent du pointeur italien. Je pense que tôt ou tard, on arrivera à tirer cette boule devant pour les Italiens, parce qu'elle est vraiment... Luc Héral à l'exercice au tir. Tombe. Derrière. Ah, l'erreur encore derrière. Au tir là, de Luc Héral qui risque de coûter cher puisque de nouveau les joueurs de Gap avaient le petit avantage et ils l'ont perdu de nouveau. Ce sont les Italiens qui se retrouvent en position légèrement favorable dans cette main. Il va falloir encore du très grand Romain Garcia parce que les Italiens prennent un léger impact psychologique sur cette finale. Avec les quelques boules manquées au millimètre, on a vu celle de Luc Héral, plus largement malheureusement celle de Hugues Bruyant. Et il nous faudra encore du très très grand Romain pour tenter d'arracher cette cinquième main. Il fait vraiment une compétition, un tournoi exceptionnel, Romain Garcia. Et encore une fois, il vient enlever la boule italienne pour permettre à Gap eh bien de rester dans le coup de cette cinquième main. Là on arrive en fin de saison sportive en élite en cadrette et
Les joueurs tels que Romain Garcia, très très grand professionnel, les autres aussi bien sûr, arrivent hyper affûtés pour ces phases finales de saison qui sont déterminantes quel que soit le sport, on le voit bien dans d'autres sports. Voilà, donc comme je l'avais préconisé, Carlo Balaben va tirer la boule. Bravo, fait merveilleusement bien. Et oui, il ne reste que deux boules à jouer de chaque côté désormais. On a pris une fois l'option du plan parce que Emmanuel Ebrozzone est vraiment réglé au point à cet atelier. Et on n'a pas pris deux fois l'option, on a été tiré la boule et Carlo Balaben s'est employé de façon merveilleuse. Obligeant Fred Asensi pour les gars pensés à venir tenter de reprendre le point. Elle est importante cette boule pour Frédéric Asensi. Bravo Fred. Alors là, c'est beau. Bien joué. Là, c'est très très beau de la part de Frédéric Asensi. Bravo Fred. Bonhomme. Et là, vous avez vu les Italiens se concerter pas plus que deux secondes pour prendre la décision, évidemment, de tirer cette boule. Après, à réfléchir si on. Parce que là, on est en mesure également de pouvoir annoncer le but. Et tirer la boule. Si en annonçant que la boule, il faut pas se tromper. Il faut vraiment tirer sur le but annoncé. Vous voyez, l'un est proche de l'autre. Voilà. Ah, il a enlevé le but, mais il ne l'a pas annoncé. Alors, donc ça ne compte pas. Je ne suis pas Madame Irma. Mais voilà, je trouvais bizarre puisque. En fait, il ne perd rien en avantage, le but est à côté de la boule, vous voyez. On aurait fait un arc de cercle au but, il aurait tiré la boule. Et en étant à droite, voilà. La petite erreur de Daniele Grosso, il en fait très peu lui aussi. Alors Pierluigi Galliero vient de dire qu'il perdait 10 cm, c'est énorme sur 50 aussi. Et on va tenter. Probablement vu l'erreur faite juste avant. Ouh, la double erreur de Daniele Grosso. Alors ça, c'est extrêmement rare. Et attention, parce que les Gapensais vont marquer un premier point et peut-être un deuxième, parce que là, Romain Garcia, le métronome Romain Garcia, a l'occasion de redonner 3 points d'avance à son équipe. Quel retournement de situation entre le début et la fin de la mène pour l'une et l'autre équipe. C'est hallucinant tout de même. Hein. Exactement, on est quand même à la moitié déjà de cette finale. Hein. Jacques, on vient de passer l'heure de jeu. Il y a 5-3 pour Gap. Peut-être un sixième point à venir si Romain Garcia parvient à rentrer cette boule. Ça en prend le chemin. S'il a la force, il passe au-dessus. De quelques centimètres. Super Romain Garcia qui maintient le suspense à son comble. Et ça fait 2 points supplémentaires pour les Français. De Gap qui mène maintenant 6-3 après 5 mènes dans cette finale du meeting GDP Vendôme 2017 ici à Saint-Vulbas. 6-3. L'avantage au score, l'avantage psychologique également avant la sixième mène de cette finale. Et ce sont les Français qui vont évidemment avoir l'honneur d'ouvrir cette nouvelle mène. On vit un réel suspense, Gaël, puisque les Français ont pris un avantage probant au début de cette partie. Les Italiens ont impacté, sont revenus, ont repris un ascendant psychologique. Ils ont eu la possibilité par Daniele Grosso de repasser devant. Et Daniele Grosso, fatalité, vient de manquer 2 fois et a permis à Romain Garcia. Et honnêtement, ça m'étonne énormément. Bravo, gars. Super. Ce double raté. Et Hugues Briand, tout de suite, d'entrée de main, vient tout de suite mettre une boule magnifique et qui oblige tout de suite Carlo Balaben à s'employer pour aller détruire le point français. Voilà, 15m70, hein, toujours, Carlo. Toujours le même jeu chez les Français, hein, toujours la même. Hauteur de jeu. Bravo Carlo. Super. C'est très bien joué là de la part.
de Carlo Baladène. A marqué un point pour reprendre la tête de la partie 4 à 3 dans sa salle de bain. Et Hugues Bruyant qui va tenter évidemment de rééditer sa performance, c'est-à-dire de replacer cette boule juste devant le but, à quelques millimètres. À tous les protagonistes, les deux équipes se sont testées. Là, on arrive à la moitié du parcours de cette finale. Allez, allez, et là, ça va se recentrer et se tendre. Ouais, ouais, tu vas faire ça. Putain, celle d'avant, là, la main d'avant. Tu peux avoir des sports, celle-là, je l'ai vu. Moi, j'ai encore plus vu que. Tu vas forcer au bout. Tu étais droit, mais tu vas forcer. C'est bien joué de la part de Hugues. Ouais, superbe encore. Hein. Un peu derrière. Un poil long, mais bon. C'est joué tellement loin également que ça reste, à mon sens, Jacques, une belle performance. Ça reste une belle boule, oui, tout à fait. Ça reste une belle boule bien jouée. L'avantage, elle est derrière, mais entre elle, devant elle, il y a le but. Donc, si la boule passe pour venir contre la boule française, la boule italienne, elle croisera le chemin du but. Donc, le fait est qu'elle est intéressante. Surtout que, comme vous pouvez le voir, Pierluigi Caliero va devoir, il s'est décalé sur la droite du terrain, il va devoir monter la boule progressivement, sans trop. No, quel salto lì. Oh, ma porco, sempre con i dini, porca, che è una piovina. Et voilà pourquoi la boule de Hugues Bruyant juste avant était quand même plutôt bien jouée. La preuve, c'est que les Italiens ne réussissent pas à reprendre l'avantage. Et regardez Jacques là, superbe, le style différent d'Hugues Bruyant sur le côté droit. Extra. Et sur le côté gauche, c'était Pierluigi Caliero. Superbe image là proposée. Avec Rosa. Superbe image, elles arrivent en même temps. C'est. Super. À Carlo Balamène a mis le ton. Hein. Il a mis le ton à cette finale. Hein. Il manque plus rien. Oui, mais il a joué ses deux boules là, de cette semaine, oui. Jacques. Et moi, je suis quand même assez impatient de voir la réaction de Daniele Grosso, qui, on rappelle, a manqué les deux tirs de la main précédente, donc ça peut être intéressant de le faire jouer assez vite. Allez, qui encore, allez. Le fait est, Gaël, Daniel Grosso a redonné un certain avantage à Gap en faisant deux vilains trous la passe précédente, la main précédente, le Keral au tir. On mène pas large, mais continuons à les faire jouer. D'abord, on joue le coup à fond et on fait deux trous. C'est inespéré de faire deux trous. Et c'est raté là de la part de Luc Héral. Pratique quelque peu Luc Héral. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Jacques, mais j'ai l'impression que les tireurs, de façon globale, ne sont pas dans un aussi bon jour que les pointeurs. J'ai l'impression que les pointeurs font une meilleure finale que les tireurs. Je tiens à rappeler que les protagonistes de ce meeting sont là depuis hier matin, 8h. C'est leur sixième partie. Vous avez vu la tension nerveuse que l'on lâche dans les parties. Et il est clair que les tireurs. D'ailleurs, Romain Garcia, on l'a entendu, hein, et il a dit le grand fatigue un peu. Ça veut dire qu'il a vu que la trajectoire de Luc Héral était un peu moins précise. Et... Parce qu'on a l'impression qu'à chaque boule, on joue la victoire. Et que forcément, il y a la concentration nécessaire. Super Freda Sensi. Et vous m'enlèverez donc pas d'idée, Jacques, je reviens, que les pointeurs font une finale exceptionnelle. Ah oui. Ils nous ont démontré des qualités superbes. D'ascension, on le voit encore ici sur ces images magnifiques. Voilà, il a une trajectoire, il monte la boule. Alors, Daniele Grosso va-t-il se reprendre de ses deux échecs précédents? Ah, eh bien oui, effectivement. Il vous a répondu, Gaël, vous lui avez posé la question par mon intermédiaire. Daniele Grosso vous a répondu oui, je suis toujours là. On n'en doutait pas énormément, mais on voulait avoir confirmation. Eh bien, on l'a eu, effectivement. Vous voyez le ralenti, là. Vous voyez, là, il est en train de nous envoyer un texto pour nous dire « Je suis toujours là et il faudra compter avec moi jusqu'au bout ». Ne vous inquiétez pas, je suis là encore pendant 52 minutes et 30 secondes que cette finale... Et notre Freda Sensi va durer.
Allez. C'est pas facile ce qu'il fait. C'est énorme. Et en plus, cerise sur le gâteau, il pousse légèrement le but, ce qui va éloigner le but de la boule italienne. Complètement Gaël. Il a légèrement touché le but, elle est jouée magnifiquement. Sa boule n'allait pas trop monter au départ. Il l'a accompagné. Voilà, c'est ça géant. Peut être les 3 cm qui font la différence à la fin de la main, hein, on ne sait pas. Bah, là, il a donné une. Il a permis, comme vous disiez justement, de donner plus d'espace aux Français si Daniele Grosso frappe cette boule. Plus d'espace aux Français pour prendre. Attention, Daniele Grosso qui rate là encore son tir. Raté, je crois qu'il doit être plus que déçu. Il a touché la boule sur la crête, elle est restée à sa place. Regardez, c'est juste. Et là, c'est ascenseur émotionnel. Regardez. Incroyable. Elle a sursauté sur elle-même. Parce que là, quand la boule sort de la main, quand vous la voyez monter, vous voyez la vôtre remplacer la leur, hein, comme c'est tiré. Et là, c'est juste. Sébastien Charousset en pleine discussion avec Sébastien Graille, hein, les deux Sébastien. È increstata, ma va via la bocciata, può anche scappare una boccia, siamo in boccia già noi. On parle de très très haut niveau là avec les deux hommes. Ça tocca un po' il balè, on est sûr. Sta bene lì Manu, ma se puoi toglierla. Bravo. Il l'a enlevé très peu. Mais c'est la réussite que n'a pas eu Daniele Grosso juste avant. Hein, peut-être qu'il y a eu Emmanuel Woodson là-dessus. On est encore sur des affaires de millimètres. Hein. Mais par contre, voilà, ils se rendent coup pour coup. Quand l'un manque, l'autre manque également. Ça nous laisse un suspense énorme. Et donc Romain Garcia, une nouvelle fois, va s'employer pour tenter de reprendre le point par cette superbe réussite. Fred Asensi lui a donné un poil plus d'espace en traînant légèrement le but. Il ne faut surtout pas être trop court là, Romain Garcia. Voilà, elle a la force nécessaire. Super, mais quel jeu. Mais quel... C'est extraordinaire compétition réussie par Romain Garcia. Franchement, il est un joueur habitué à être à 98 ou 99% de boules réussies. Quel talent ce Romain. Mais Fred et Romain, pour les gars, pensaient au milieu, hein, pointeur second, tireur second, ils font un jeu, mais waouh. Une nouvelle fois, Emmanuel et Brudson. Lui qui est plutôt... un pointeur, même si évidemment il est capable de tout. Il l'a montré sur la boule précédente. Et là, il a un peu plus de difficulté de la sortie. Alors là, attention, parce que celle-là pas bien cette sortie finale est en train de pencher véritablement en faveur des Gapensais maintenant. 6-3, on le rappelle, au tableau d'affichage. Plus l'avantage sur cette main pour les Gapensais qui, en plus, ont encore deux boules à jouer contre une dernière aux Italiens. Là, il va y avoir beaucoup de pression sur Pierluigi Caliero. Alors est-ce qu'il va tenter de pointer? Il va tenter de venir menacer la boule de Romain Garcia, mais c'est très très difficile parce que la boule de Romain est très très près. Vous voyez, il faut qu'il passe au ras de sa première. Elle est bien jouée. Hein. Il évite. S'il échappe la boule, Oulala, gros avantage au Gapensais à 43 minutes de la fin. Deux boules au râtelier, le point par terre. Et le magnifique Romain Garcia qui va tenter une nouvelle fois de rajouter un point, de scorer un point supplémentaire pour Gap. Il y a la place. C'est le genre d'opportunité et d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer dans une finale de ce niveau-là. Cette finale est dingue, Gaël, parce que les Gapensais ont mené, ils se sont fait rattraper. On a vu que les Italiens avaient un impact psychologique. Daniele Grosso a manqué. Les Français ont remanqué derrière, mais ce but caché à l'aveugle qu'a tiré Romain Garcia. C'est le tournant. Ah là, c'est. Voilà. Il leur a dit, les gars, vous pouvez compter sur moi. Il y aura du grand Romain Garcia aujourd'hui.
Voilà, sans prendre le risque. Ah, elle est peut-être dommage, un peu basse. Dommage, j'ai manqué un petit peu, a priori. Je suis pas certain que ça permette de marquer un deuxième point là-dessus. Et c'est dommage pour les gars français. Ah, il s'en va un peu, mais franchement, il fait une telle finale, il fait un tel tournoi qu'il ne doit pas s'en vouloir. Mais il sait que tous les points sont importants. Bien sûr, bien sûr. Il a, c'est un très très grand compétiteur, il a énormément d'exigences envers lui-même. C'est dommage parce qu'il est un peu plus dans le jeu. Voilà. Ouais. De merde, putain. J'ai pas jeté. Oui, j'ai vu ça. J'étais avant de vous. Allez, Luc, Héral, qui a la dernière boule de cette sixième main, dans les doigts. Pour les gars pensés, il serait vraiment bon qu'il score deux points. De toute façon, à tourner à plus 5. À 45 minutes au terme de cette finale. Bravo, le jeu, Lucas. Attention, pas trop. Attention, pas trop. Bravo, oh non, bien, ça va. Bien, non, bien, ça fera deux. Superbe, superbe. Super. Deux points supplémentaires pour cette équipe de Gap qui mène maintenant 8 à 3. L'écart est creusé à trois quarts d'heure de la fin de cette finale. Les gars pensaient qu'ils sont en train de mettre au moins une main sur le trophée. Mais attention, ces Italiens sont capables de tout. Ils nous l'ont montré lors des tours précédents, notamment en quart de finale. Tout reste envisageable pour cette finale, même si Gap donc a pris une belle avance. La septième mène avec... le lancer du but qui va être refait était un poil trop long. Alors juste un petit point de règlement, on a le droit de jeter deux fois le but. Voilà. Il a été manqué deux fois, donc le but n'est pas rejeté par les Français. Il est donné aux Italiens et les Italiens le placent où ils veulent dans le rectangle réglementaire entre 12m50 et 17m50. Et regardez où est-ce qu'ils vont le mettre. Eux qui adorent jouer long, ils vont le mettre très court. Bah oui, pour tenter de déstabiliser un peu les joueurs français qui, comme vous avez pu le voir, ils se connaissent bien sûr les uns et les autres par cœur. Ils voient toujours que les joueurs français jouent à hauteur de 15m50, 16m. Hein, c'est leur zone de confort, comme on va dire. Et là, donc, bah, ils tentent de décontenancer un peu les Français en mettant le but vraiment à 12m60. Non, quand voilà, 12m60 à distance. Ouais, je viens d'annoncer. Voilà. Et là. Allez, Hugues. Ah, bien joué. Super, Hugues. Bravo. Bravo, bravo. Oui. Non. Tu es un bon maître. C'est très bien joué hein, de la part de Hugues Briand. À l'entame de passe, c'est très important quand on mène 8 à 3. Voilà. L'entame de passe est très, très, très simple. Et Carlo Balaben va tenter de s'employer, donc à 12m60. Il n'aime pas non plus hein, tirer près, Carlo Balaben. Hein. Bravo. Ah, et pourtant, superbe. Il l'a réussi. Superbe. Et la boule reste, d'ailleurs. Oui, en plus, la boule reste. Voilà, donc la boule reste, les Italiens. Voilà. Ça peut servir. Pas trop, quand même. T'as vu, c'est beau, non hein. Oui, sa première est bien jouée, mais il ne faut pas qu'il en fasse plus. Hein. Non non, il ne faut pas qu'il en fasse plus. Et là, regardez, ce sont les ralentis voilà, des deux tirs italiens tout à l'heure. Des deux boules tirées sur la crête. On a bien vu hein, la différence, là, c'était parfait. Ils ont été préjudiciables. À quelques millimètres près, bravo, ça change tout. Bravo. Ah, celle-là, voilà, c'est superbe, il a entendu les bons conseils. Ah ouais, non, mais parfait. Voilà. Parce que l'autre, la première, elle est limite là, parce qu'elle est très très bien jouée. On entend les protagonistes gars penser. Ouais. On veut pas prendre trop de risques. Voilà, il a bien pris conscience, Hugues. Il a bien pris conscience que sa première était limite et pouvait passer sur la partie latérale. Il a bien écouté. Et Carlo Balaben, une nouvelle fois, va s'employer donc avant les 12m50. Oh, il a bien fait. À côté pour Carlo Balaben. Et les gars pensaient qu'ils sont véritablement en train de prendre l'ascendant là. Parce que non seulement ils mènent au tableau d'affichage 8 à 3, 5 points d'avance, ce qui est énorme. Personnellement, Carlo Balaben, sa zone de confort à lui, c'est 17,50. Et c'est pour ça que les Italiens jouent souvent long. Là, ils ont voulu jouer court, mais non pas par rapport à leur qualité, mais plutôt pour essayer de casser le rythme de l'adversaire. Déstabiliser Gap. Au final, ça leur porte. Bravo. Bravo, Dani.
L'ho toccato. Voilà, Daniele Grosso qui a poussé la boule. Donc, un intérêt pour les gars pensais à venir jouer surtout devant le but. Parce que vous voyez, le but est sur le côté gauche du terrain. Donc, bien évidemment, pas jouer à franchir la ligne latérale, mais surtout en jouant devant, ça va perturber les joueurs italiens. Même si la boule est à 80 ou 1 mètre devant. Un peu moins, mais il est un peu plus à l'intérieur. S'il n'engage pas, il ne va pas y aller. Même si la boule est loin, elle sera toujours belle. Celle-là est superbe. Bien, Fredo. Belle. Bien, Fredo, bien. Super, Fredo. Eh oui, parce que là, vous n'avez pas vraiment la latitude de jouer de l'autre côté. Voilà. Sinon, la boule va sortir probablement. Donc exactement, Gaël, exactement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout déjà pas passer le but. Ça, c'est très important. Mais voilà, surtout se protéger et laisser aux Italiens l'option de pointer en prenant un léger risque en montant la boule et avec la peur, bien sûr, de traverser la ligne latérale qui rend la boule faute. Donc, sous les yeux... Le regard de Jean-François Gobertier et de Marcel Jacquin, le maire de Saint-Vulbas. Pas attaqué. Superbement bien joué. Allez, ça y est. Il est obligé de prendre un risque, il l'a pris et il réussit, c'est donc payant. Voilà. J'adore cette tenue de boule, j'adore comment il l'accompagne. Vous voyez, il est. Carlo, mettez-le là. Aucun geste déplacé, tout est pesé, c'est un. Allez, Luc. Voilà, Luc et Ralph qui fassent abstraction de tout ce qu'il a manqué jusqu'à présent, même si c'est peu, il faut absolument qu'il impacte cette semaine à l'avantage des gars français. Ce qui est fait, c'est superbe. Ce qui est fait, c'est bien. Il souffle un peu parce qu'il sait que ça s'est joué à très très peu de choses. Mais bon, la réussite là du côté de Luc Erhal. Pas derrière. Voilà. Alors, Luc Erhal, c'est pareil, c'est quelqu'un de très très grand qui a une aisance à tirer loin et qui, voilà, lui aussi préfère tirer sur des distances de 16m50, 17m. Il n'est pas gêné. Là, il est à pied de jeu à 12m50. On arrive vite sur la boule quand on court. Et il faut voir le moindre geste déplacé fait manquer la boule. On l'a vu avec Carlo Balaben. Pierre-Luigi Galliero qui a pris un peu plus de risques et qui vient gagner le point de façon magnifique. Excellente finale de Pierre-Luigi Galliero. Allez. Voilà, donc on... Tant qu'ils répondent, les gars pensaient, ils ne seront pas en difficulté. S'ils répondent jusqu'au bout, ils peuvent emporter le gain de cette main. Chaque boule correctement jouée par les joueurs de Gap est un pas supplémentaire vers la victoire. Bravo. Il a vraiment pensé à tout, c'est superbement bien tiré, il souffle. Hein. Il souffle le Kéral parce qu'il n'aime pas du tout tirer près, il a un gabarit très très grand et voilà, faut qu'il pense à tout. Celle-là est superbe. Ouais, superbe les deux. Il a vraiment fait le boulot comme on dit, hein. il a assuré l'essentiel. Voilà, il a fait 2-2, voilà, parce qu'il a parfaitement réussi sa manche. Qua possiamo tirarne una poi. Marca. Taca un po', ci. Tanto per l'aia, prieno che ne. Voilà, e giocano tutte con di misura. Condition un peu... Emmanuel Ebrotson partait pour pointer sa boule et Carlo Balaben lui a dit on va stopper tout ça, tu vas aller tirer. Tanto vicino lì è il maximum pour Emmanuel Ebrotson. Bravo. Et qui arrive parfaitement à enlever la boule française. La prima poteva prenderla un po' più sterile. Alors là l'avantage c'est que à moins de sortir des limites du terrain, les joueurs de Gap vont récupérer de nouveau l'avantage, sauf qu'elle ne sera peut-être pas aussi bien jouée que la précédente. Oui. C'est ça tout le... C'est assez étrange, ça se voit rarement de la part des Italiens où on prend la décision d'aller pointer, on arrête le joueur, on lui dit maintenant tu ne vas plus pointer, tu vas tirer. C'est... Ça va pas derrière, super. Ouais, surtout c'est qu'elle est encore mieux jouée que la précédente. Bravo. Jack. Fred a pensé surtout à être devant. Et il oblige Daniele Grosso à tirer au but pour maintenir un score de 3-8.
en leur défaveur. Il me fuit, hein. Il n'y a rien à faire. Ils sont obligés, les Italiens. Ils sont sous pression, oui. Parce que si Daniele Grosso arrive à enlever les buts, eh bien on restera à 8 à 3. S'il le rate, évidemment, les joueurs de Gap vont s'envoler au classement. Pression maximum pour Daniele Grosso. Bravo. Ouais, superbe. Sans émotion. Hein. Très bien joué de la part de Daniele Grosso. Mais le score n'évolue pas et c'est plutôt en faveur de Gap finalement, puisque le temps s'écoule. Il ne reste que 37 minutes à jouer maintenant et c'est toujours Gap qui mène 8 à 3 dans cette finale du meeting GDP Vendôme 2017. Le début de la huitième mène maintenant avec toujours les Français de Gap qui sont en tête et qui vont pouvoir lancer le but a priori le plus loin possible. Toujours dans, ils vont chercher leur zone de confort vers 15 mètres, 50, 16 mètres. Peut-être un petit peu en deçà là-dessus, on va voir ça. On aura la marque officielle et précise dans quelques secondes. Un peu moins, peut-être aux alentours de 15 mètres. Ouais, je dirais 14,5 là environ. On va réduire un petit peu. Allez, Hugues, continue. 15 mètres 10. J'engage pas, par contre. J'engage pas. Pas trop. Non. Comment ça, il faut. Si tu viens là, Hugues, allez, aujourd'hui. Voilà, on donne les mêmes consignes que quand le but était à 12 mètres 60 à Hugues, en lui disant voilà, de jouer à l'intérieur du terrain, de ne surtout pas passer de l'autre côté parce que ça va très vite pour se perdre. Le long de la ligne latérale, il ne faut pas que la boule passe de l'autre côté. Donc, à partir du moment où elle reste devant et dans le milieu du terrain, la boule sera bien jouée. Ça sera aux Italiens de prendre le risque. J'ai peur qu'il la joue un peu trop bas. Ça fait grandeur. Il va retomber. Attention qu'elle ne sorte pas, hein, cette boule. Ne sorte pas, tout à fait. C'était limite, mais c'est réussi, alors c'est très bien joué. Il a pris un risque grouillant là. Pas faute d'avoir été prévenu par ses coéquipiers. En plus, oui. Ça les fait sourire, mais parce que la boule s'est maintenue dans les limites du terrain, mais ça aurait été regrettable parce qu'il, vous voyez, il a une force parfaite. Hein. Il arrive à hauteur du but, il a une force parfaite. Il aurait été dommage que la boule aille de l'autre côté. Hein. Et Carlo Balaben qui va tout de suite essayer d'enlever la boule française. Et c'est raté puisqu'il a enlevé surtout la marque avant. Et donc, il n'était pas dans le cercle de 50 cm. Erreur là de Carlo Balaben. Et attention, parce que les Gapensais, de nouveau, vont se mettre en bonne position dans cette huitième mène. Carlo Balaben qui est en train de nous rendre une carte dont on n'a pas l'habitude de sa part. Un peu émoussé, J'ai envie de dire, Jacques, que si on n'arrive pas à battre cette équipe italienne avec un Balaben qui n'est pas à son top... Oui. Bien, ça veut dire qu'on est vraiment en dessous parce que sinon, quand cet homme-là est à son niveau, il est injouable. Oui, complètement. Donc aujourd'hui, il faut vraiment en profiter parce que ça n'arrive pas souvent. C'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, que le meeting GDP Vendôme, c'est une Champions League. Les 16 équipes en lice sont de 16 superbes équipes. Il n'y a pas de partie facile, pas de partie gratuite. On doit jouer couteau tiré tout le temps. On l'a vu du reste, hein, puisque l'équipe de Carlo Balaben a été dominée dans les poules par Saint-Vulbas, qui elle-même a été dominée en demi-finale par Gap. Donc voilà, en deux heures de temps, ça va très vite, on n'a pas le droit à la moindre erreur. Et on y laisse une tension nerveuse énorme. Ouais, superbe, alors là, c'est absolument splendide. Celle-là, elle n'a aucune émotion, celle-là, elle a souffert d'aucune émotion, vous voyez. Pareil. Toi aussi. Oui, très bien. Je vais jeter différemment. Tu voyais plus fort. Oui, moi aussi. Bon, ça va un peu, elle est un peu forte, Rome, hein, c'est vrai. Et là, évidemment, c'est tout de suite, du côté italien, la décision qui a été prise d'enlever... Par Emanuele Brutson, voilà, on garde les boules de Daniele Grosso pour la fin de la mène. Et c'est Emanuele Brutson qui va s'employer à tirer le pointeur second de cette équipe BRB. Bravo. Superbe. Magnifique là. Oui. Je crois que Daniele Grosso a quitté le terrain momentanément. Ah. C'est peut-être pour ça aussi que c'est Emanuele Brutson qui s'est employé. Ah, c'est bon.
attention. Il est allé boire un coup, se rafraîchir, se remettre les idées en place parce qu'il sait que la dernière demi-heure sera très importante et que là, les Italiens n'auront plus le droit à l'erreur s'ils veulent remporter cette finale. Bravo, d'autant Fredo. Que les gars pensaient continuent sur leur lancée. Oui. C'est absolument splendide. Fred Asensi, un pur régal. Hein. Frédéric Asensi, bravo. Enfin, c'est, on connaît le talent de ce joueur, mais là, il nous livre une carte. Mais... Et ils sont ultra efficaces, hein, les Français, parce que finalement, ils n'ont gagné, entre guillemets, que 3 mains contre 2 aux Italiens. Et l'Italien est de 5 points. Ce qui veut dire qu'à chaque main, quand ils la remportent, ils savent créer l'écart. Dans cette première main de 4 points, 4 points énorme. Ils ont fait 4 points, 1 point, 2 points. Et d'ailleurs, en plus, 4 points après que Luc Herald, malheureusement. 4 points, 2 points, 2 points. Ah, ça discute beaucoup chez les Italiens sur le placement de Pierluigi Galliero. Celle-là, elle va venir en protection, mais elle va obliger les Italiens à tirer. C'est quasi balottato. Bravo Pierre, hai giocato Pierre. Dai Dani, dai. Bravo Pierre, ho provato fino all'ultimo. Très très difficile d'aller pointer pour Pierluigi Galliero sur la boule de Fred Asensi. Il n'a pas le droit de passer à gauche, sinon sa boule va traverser les limites latérales du terrain. Il va donc tenter à droite et s'en rapprocher, c'est déjà très fort ce qu'il a fait là honnêtement. Exactement, il a joué pour se rapprocher et pas gêner le tir de Daniele Grosso. Moi c'est la mia rimango, la città Daniele. Aïe, Daniele Grosso, à mon avis, on a vu la, il a enlevé la petite bandelette blanche. La, hein. La languette blanche a bougé. On a vu que le tir était à l'extérieur des 50 cm. C'est le cas. Ah ouais, Jacques, et là, ça commence quand même à sentir bon. Hein. Oui, on le voit là, superbe sur le ralenti, pas de doute. Effectivement, légèrement sur la droite, mais surtout sur la bandelette. Et les Italiens. Non, plus que 3 buts contre 5. En fait, ils prennent l'option directe d'aller tirer au but pour annuler cette manche. Tout à fait. Et que le score reste à 8 à 3. Effectivement, ils sont obligés de prendre un risque à ce moment de la partie. S'ils le ratent, avantage psychologique des Gabonais. Terrible pour eux. Sur cette 8ème main. Grosse pression, il a toujours répondu présent, Daniele Grosso, dans cette situation. Et cette fois-ci, il le rate. Ah, jusqu'à présent, depuis le début du tournoi, on l'a toujours vu réussir hein, ce geste qui est ô combien difficile, on le rappelle. Mais là c'est peut-être le coup de grâce pour les Italiens parce que 5 points de retard. Ça se complique. 5 boules à une dans cette main. Attention, attention. Il va falloir un exploit là de Pierluigi Calliero. Surtout Gaël, que c'est très, très difficile pour Pierluigi Calliero de venir jouer un coup de défense parce qu'il n'a absolument pas le droit de passer de l'autre côté de la partie gauche du jeu parce que sa boule irait traverser les lignes latérales et elle serait faute. Donc il est obligé de jouer un coup de défense en mettant les boules sur le terrain et forcément en allant essayer de, en allant grouper avec sa première. Allez, super, bien joué. Voilà, c'est richement joué. Richement joué de la part de Pierluigi Galliero parce que là, c'est à donner un exercice qui n'était pas du tout facile. Hein. C'est vraiment c'est superbement bien joué comme sa première. Hein. Comme sa première, il ne voulait pas trop engager. Et là, il a engagé vers le but. Il s'est maintenu avec une force idéale. Allez, Luc. Luc la relance sur cette passe pour faire jouer la dernière aux Italiens. Bien, super, bien, super, bien, Luc. Super. Même s'il a l'éclat sur la sienne derrière, il était très important pour Luc de toucher la boule qu'il tirait. Comme vous pouvez le voir sur le ralenti d'Eric Rosa, voilà, il va toucher la boule, il va avoir l'éclat sur la sienne, mais le plus important, c'était de toucher la boule qui était prête tout de suite. Puisque les gars pensaient encore un bel avantage avec un nombre de boules conséquent au râtelier, puisqu'ils ont 4 boules au râtelier contre nous Italiens. Et là, on va tout simplement tenter d'enlever cette boule italienne. Pour se donner de l'espace pour reprendre le point sans aucune difficulté. Allez, allez. Ne pas être trop gourmand, mais étape par étape, point par point, aller chercher. Le doublé de Luc à cet instant du jeu est essentiel. Sachant que Daniele Grosso a manqué le but. Le doublé de...
C'est regrettable parce que là, s'il avait fait un doublé, il laissait trois boules contre nous. C'était quasiment une balle de match là. C'était. Il va en avoir d'autres. Gros avantage. Mais... J'espère pour lui. J'espère pour lui, mais là, le problème, c'est que ça oblige Romain Garcia donc à. Ouais, je vais vous lâcher. Il n'a pas tiré depuis quelques temps, Romain Garcia. Bon, après, ça ne gêne pas outre mesure vu le talent qu'il a, mais il a pas tiré tellement sur une autre planète. Romain Garcia, depuis le début de cette finale et durant tout ce tournoi, que. Il a évidemment les capacités d'enlever la boule italienne. Ah, voilà qui est fait. Super tiré, bon Romain, bravo. Bravo, Romain. Et là, il suffit, entre guillemets, simplement de placer la boule gapensaise. Alors, la boule gapensaise, de la placer, mais la garder quand même devant le but. Hein. Oui. Voilà, devant le but, parce que comme vous avez pu le voir avec la boule de Pierluigi Galliero qui a été jouée à perfection, il est venu menacer la boule française et ça a donné raison aux Italiens. Donc, mais bon, on a Fred Asensi aux manettes, hein, dont la précision depuis le début de ce tournoi est juste sublime. Il a bien joué Fred, il a bien joué sa boule. Voilà. Bien, Fredo. C'est super. Bravo. Et ça revient juste les quelques centimètres nécessaires, effectivement. C'est magnifiquement joué, mais comme vous pouvez le voir, malgré que Daniele Grosso ait manqué le but d'annulation, on se retrouve à une boule contre une, donc il n'y a pas de dégâts. Ouais, ils s'en sortent bien, les Italiens, d'être toujours dans le match, même s'ils sont très en retard, évidemment. Et là, il faut encore que les Français s'emploient à jouer à plein. Pour, parce que si Emmanuel et Brodson sont bonheur de gagner le point, il va falloir que Romain s'emploie une deuxième fois pour le gain de cette main. Oui, oui, ça va repasser devant. Décision. Bien joué, mais c'est bon, c'est bien joué. Se devi chiuse per il pacchetto diretto, ma solito c'è mal. Non l'ha pas gagné. Si elle n'a pas gagné, il faut simplement se contenter de placer peut-être Jacques. Pas de risque inutile, on va pas tenter de l'enlever par un tir. Il ne faut pas toucher le but, voilà, même si Romain manque sa boule, l'important c'est de scorer un point supplémentaire, de tourner à plus 6, on est à moins d'une demi-heure du terme de cette finale. Après, s'il peut rajouter, il a tellement de talent, Romain. Mais il a bien joué parce qu'il a joué, voilà, il a joué protégé, Romain. Il n'a pas cherché à jouer trop fort. L'important, c'était de scorer, ce qui a été fait par les Gapensais. Ce qui a été fait, un point supplémentaire pour cette équipe de Gap qui mène maintenant 9-3 dans cette finale à Saint-Bulba du meeting GDP Vendôme à 25 minutes de la fin de cette partie. Grosse, grosse option sur la victoire pour les Gapensais. Finale 3 et 4, Saint-Bulba a marqué un point dans la mienne écoulée. Exceda mène 5-4. La 9e mène entre Gap et l'Italie BRB. Toujours plus 6 pour les Français. Et Hugues Bruyant, dont la rentrée également a fait beaucoup de bien à cette équipe. Oui, tout à fait. Ils ont pris la bonne décision. On a vu Sébastien Charousset qui a l'habitude d'être très affûté, hein, autant au point qu'au tir. Là, on l'a vu manquer 5 buts de suite. Ils n'ont pas hésité. Les gars français, tout de suite, ils ont changé. Ils ont repris le dispositif qui était celui de la demi-finale et qui leur a réussi, avec Hugues Bruyant devant et Fred Asensi au point derrière. Et Hugues Bruyant nous fait une très très belle finale. Hein. Avec toujours un petit peu de réussite en plus. Mais les boules sont très très bien jouées. Elles sont jouées perfection. Hein. C'est super ce que fait Hugues. Allez, Pierluigi Galliero là qui va bien évidemment tenter de faire mieux, mais je ne vois pas comment. Alors il va au minimum, je pense, essayer de jouer devant le but. Hein. Je trouve les options italiennes difficiles à réaliser. Enfin, difficiles à réaliser. On part pas au tir, on va créer quelque chose. Alors, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse, Jacques, de la part des tireurs italiens peut-être là-dessus? Moi, je trouve cette tactique de jeu, on ne répond pas coup pour coup.
on essaye, allez, en clair, dans le jargon, on va essayer d'embrouiller le coup. Voilà, on va essayer d'embrouiller le coup, on va tenter d'aller prendre vers la boule de Hugues. La boule d'Hugues, elle est quand même à 15 cm derrière le but. Je ne sais pas ce qu'on espère. La seule chose qui puisse arriver, c'est que Pierluigi Galliero envoie sa boule et passe juste derrière la boule de Hugues. Alors, ça va créer encore des difficultés pour les Italiens. Voilà, donc là, ça ne prend pas. Donc, voilà. Mais ils ont l'air contents, j'ai entendu un bravo. Parce que oui, c'est bien joué, malgré tout. Oui, mais enfin, on part déjà avec deux boules de retard. On cherche des exploits. Et là, ça se passe super bien, c'est parce qu'il laisse la boule dégager. Il ne masque pas la boule du bruyant. On demande beaucoup à Pierluigi Galliero, je trouve. Bravo. C'est superbement bien tiré. On est 7 boules contre 5 au début de cette 9e main. Alors que pour moi, la boule qui est 15 cm derrière du bruyant doit être tirée tout de suite. Enfin, après, c'est mon avis. Je l'aurais joué comme cela avec mes coéquipiers. Alors, tout de suite réagir là. Très important, voilà, tout à fait. Il faut que Lucéral réagisse tout de suite et rende le coup qu'il vient de prendre de la part de Carlo Balaben pour permettre à Hugues de reprendre le point sur l'autre boule de Pierluigi Galliero. Le petit moment de flottement. Oui, il est un peu. Pour les gars français. On voit bien là, ça. Une petite accélération parce qu'on se sent un peu plus lourd, un peu fatigué. On accélère un peu plus et le temps d'accélérer ne permet pas à remonter la boule et d'avoir une trajectoire haute. Bon, il y avait deux boules d'avance, il en reste une. Sous les yeux de Jean-François Gaubertier, le généreux organisateur de cette compétition Meeting GDP Vendôme qui vient de faire un don à la fondation La Bonne Étoile de Laetitia Hallyday puisqu'il a racheté la Cadillac et l'Harley Davidson de M. Johnny Hallyday. Oh, le double raté de Luc Héral. Manqué double au mauvais moment de la part de Luc Héral. Il est fatigué. Ça ne porte pas encore tout à fait préjudice le à problème l'équipe. Mais attention. Il dit à ses partenaires qu'il n'en peut plus. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas faire un changement là ? Bien sûr, on peut faire un changement, mais on arrive presque dans le money time. Alors, ses partenaires espèrent qu'il s'accroche encore et qu'il puisse. Il a très peu de boules à jouer, Gaël. Vous voyez ? Allez, Rome. Allez. On est à 19 minutes du terme. Il a peut-être encore 4 boules à jouer, 4 ou 6 boules à jouer. Donc, autant ses partenaires espèrent. C'est très difficile dans le money time pour un tireur de rentrer comme ça à froid dans une finale d'une telle intensité. Donc, voilà, et en même temps, c'est un mauvais signe envoyé aux adversaires. Ouais. En plus, c'est un choix délicat. Donc, Romain Garcia. Romain Garcia, lui, il est incroyable. Oui. Toujours, il continue son festival. Voilà. C'est une machine, un robot, allez. Romain Garcia. Romain Garcia est énervé. Allez, je suis humide. Allez. Voilà, Luc Héral demande un peu d'aide. Il dit à ses partenaires qu'il est légèrement émoussé, ce que l'on constate. Mais pour autant, c'est le choix de faire un changement, d'opérer un changement à 18 minutes de la fin. C'est peut-être pour ça aussi, Jacques, que les Italiens choisissent de pointer plus souvent qu'à leur tour. Peut-être aussi, mais bon, moi je trouve que l'option italienne, malgré tout, c'est... C'est bien joué. Très bien. Il était important pour Hugues de regagner le point de façon à faire jouer des boules aux Italiens, puisque là, pour le coup, les Italiens ont un avantage 5 boules contre 3. Mais ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas joué les Italiens, parce que les gars pensaient en ont joué 4 consécutives, 2 par Luc Héral, 1 par Romain Garcia et la dernière par Hugues Bruyant. Alors là, pour le coup, les deux échecs de Luc Héral ont donné raison aux Italiens. Pour autant, je ne pense pas que leur méthode soit le mieux. Et le temps tourne, Jacques, moins de 18 minutes à jouer, vous le voyez, dans cette finale.
Toujours plus 6 pour Gap. Là, par contre, on n'hésite pas à tirer. Bravo. Là, pour le coup, on a un avantage de deux boules. On n'hésite pas à tirer. On ne va pas chercher à reprendre le point devant. Là, on réélargit le jeu. C'est chez les Italiens. Et tout de suite, on a été tiré. Ouais, Fredo. Avec réussite, comme vous pouvez le voir, pour Carlo Balabel. Voilà, c'est la complicité des deux arbitres internationaux. Ouais, Fred. Qui n'ont pas eu l'occasion d'intervenir. Pour un... C'est tant mieux. Oui, parce bien qu'on sûr. Dit toujours que les arbitres, moins on les voit, mieux. Non, ça se passe sur le terrain. Après, pour le coup, ils peuvent intervenir pour mesurer un point. Bien sûr. Voilà, devenir une intervention de précision. Ce que je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas envie de les voir, c'est que s'ils ne viennent pas, ça veut dire que tout se passe bien et que c'est tant mieux pour le jeu. Bien sûr, bien sûr. Non, credo, comment non. Speriamo, tanto se non ho perso. Donc, superbement joué de la part de Fred, hein, encore une fois de plus, dirais-je. Et qui oblige Daniele Grosso. Bravo, réussi chez Daniele Grosso. Maintenant, quelle option vont prendre les Gapensais? Deux boules pour les Gapensais, trois boules pour les Italiens. Les Italiens ont le point par terre. Les Gapensais sont en désavantage. Ils sont à plus 6. Il reste une boule, je crois, à Romain Garcia. Tu ne tirerais pas le but, toi? Ça fait un écart d'un point. On prend le risque sur un point. Allez, mon Rome, tu le mets au placard, là. Allez. Allez, mon costaud va me rattraper une fois. Allez. Prends la décision d'aller tirer au but. Bah, c'est ce que j'allais vous demander. Allez, Romain, quoi? Allez, petit. Ça se vaut. Ça se vaut. Ici, s'ils mettent deux, ils ont la chance de prendre deux fois le point. Ils obligent les Italiens à taper deux fois. Ils vont perdre un point. Là, le fait est qu'une boule jouée en plus pour le but, ça pourrait faire scorer les Italiens à plus 3. Après, on a le talent de Romain Garcia à l'exercice au tir au but pour l'annulation. Quasiment la victoire qui se joue là-dessus. Ah, il s'est raté par l'intermédiaire de Romain Garcia. Et là, attention, parce que les Italiens reviennent complètement dans la partie. Ils ne sont jamais battus, ces Italiens, en tout cas, jamais avant la fin. Et là, vous le constatez, ça se joue à pas grand-chose, mais malgré tout. Il manque 1 ou 2 cm pour que la boule soit à l'intérieur des 50 cm et qu'elle puisse fuser. Et prendre le but sur ce coup de tir. Alors là, il ne faut pas rater. Hein, non. Cette ça, c'est très, très cette important. Boule, Frédéric. Voilà. Il faut, donc, ouais. On met un peu de pression sur les épaules de Frédéric Asensi. Qui... C'est la dernière boule. Gapensais, il y en aura encore 3 à jouer du côté italien. Il faut absolument repasser devant Frédéric Asensi. Attention, c'est raté. Oh, c'est raté. Et alors là, les Italiens ont une énorme occasion de marquer 4 points en tout. Hein, Frédéric, de revenir. Jacques, pardon, et de revenir à 9 à 7. Et là, ça peut tout changer. Et oui, tout à fait, Gaël. C'est un peu c'est le double tranchant de tirer au but. C'est vrai qu'on tire au but. Ben, ils ont le talent pour le faire, bien évidemment. On reste à 9 à 3. Pour le coup, après, il ne faut pas se découvrir. On met la pression sur Fred Asensi parce qu'il n'a absolument pas le droit de jouer sur la gauche du terrain. Il ne faut pas qu'il traverse la ligne latérale. Et là, il peut offrir aux Italiens de scorer et de revenir dans cette partie à un quart d'heure de la fin, ce qui serait assez hallucinant. Celle-là, pour le coup, n'est pas montée. Et heureusement pour l'équipe de Gap, il n'y aura pas carton plein, en tout cas, sur ce qu'il restait. Voilà, comme moins d'un quart d'heure. Hein. Comme l'a dit Emmanuel Brodzon, il n'a pas d'aller à la carte, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez découpé le jeu pour remonter la boule. Il a joué suffisant, dommage pour lui. Et tant mieux pour nos Français. Forza era precisa, Emmanuel. Guarda, metteci quello se riesci. Voilà, donc Carlo lui dit que la force était précise et que s'il peut, ça serait bien qu'il mette celui-là, en gardant la même force. Celle-là est beaucoup mieux jouée. Hein. Celle-là fera un point supplémentaire pour l'équipe de l'Italie. Il peut s'en vouloir parce qu'il avait une superbe force, voyez. Et là, par contre, il a bien pensé sur ce ralenti. On voit bien qu'il découpe beaucoup plus le jeu et il monte la boule vers le but. Et la première aurait compté tout autant s'il avait pensé à le faire également. Pas plus dans l'angle, Dani. C'est déjà virtuellement 9-5 et peut-être 9-6. Si Daniel est celle-là est très important parce que plus 3 ou plus 4, c'est pas pareil. Pas comparable. Non, non, non.
S'il a le poids, s'il a la force, bravo, s'il a la force, Daniele Grisso. Eh bien, dis donc, on n'est pas au bout du suspense. Exactement. 9 à 6. Puisque là, ce sont les Italiens qui marquent 3 points et se relancent complètement dans cette finale du meeting GDP Vendôme 2007 à Saint-Vulbas. 9 pour Gap, 6 maintenant pour les Italiens qui, en une main, ont réduit de moitié l'écart au score. L'équipe de Gap, 9 à 6. On va encourager ces deux équipes du très bon jeu. Et là, les Italiens, ils sont en retard au score. Là, on ne joue plus à 12,60 m. Hein. On envoie au fond du jeu. On est sur du 16,80 m à peu près, 16,97 m. Pour ce début de la 10e main, effectivement. Et on va essayer de jouer rapidement avec Pierre-Louis Ticheliero. Surtout qu'ils ont vu un Luc Herral fatigué, moussé. Bravo. Et là, vous voyez Pierre-Louis Ticheliero qui commence à courir derrière les boules. Là, les décisions vont se prendre à la... Contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, où on a envoyé un Emmanuel Brudson pointer, on lui a dit au milieu du jeu, tu vas tirer. On faisait un peu tout dans le désordre. Maintenant, on commence à jouer plus structuré chez les Italiens parce qu'on leur a donné l'occasion d'y croire. Là, il ne faut pas s'affoler du côté diapensais. Surtout garder la tête froide, ne pas oublier que les 3 points d'avance sont en faveur des Français, même si effectivement la dynamique est plutôt italienne là. Allez Hugues. Allez Hugues. Pas s'affoler, mais pour autant ne pas déjouer. Respecter vraiment les bases de la tactique de jeu. Elle est bien jouée, celle ça, de Luc, bien. Parce qu'elle est jouée au-dessus. Ouais, déjà, on sait qu'elle passe. En plus, il a un poids magnifique. Ce superbe. Ça, c'est très, bravo, très bien joué. Bravo, voilà. Là, il met en confiance ses partenaires, Hugues Vrillant, par cette belle reprise. Là, les trois autres soufflent. Hein, oui, complètement. Bien sûr, voilà, c'est d'entrée de main, il oblige Carlo Balaben, qui a déclaré un peu la guerre. En toute logique, hein, sur cette fin de finale, en jetant le but beaucoup plus loin. Et là, Hugues, il y a un grand soulagement. Voilà, il oblige tout de suite à Carlo à s'employer pour aller récupérer l'avantage du point. Ça, c'est génial. Oh, Carlo Balaben. Et voilà, et c'est Carlo qui manque. Et là, peut-être que c'est de nouveau un tournant, ou en tout cas un moment très important dans cette finale. Parce que les Italiens ont déjà joué deux boules contre une seule au Gapensais, et ce sont encore les Italiens qui doivent jouer. Exactement. Quelle belle reprise, Hugues. Bravo, super monté. Il a pensé à tout. C'était très important à cet instant de la partie de ne pas manquer sa boule. Il l'a réussi. Sous les yeux, vous l'avez aperçu, de Sébastien Cheval, le parrain de cette édition 2017. Sur la droite. Bravo. Ah, superbe. Bravo, il s'est bien rattrapé, Carlo, pour autant, il a créé un désavantage chez les Italiens. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle la boule de relance. Si Hugues réussit sa deuxième boule, il aura fait un gros travail. Ah, il pourra dire à ses coéquipiers, j'ai fait mon travail, à vous de faire le vôtre, et on ne sera pas loin de soulever la coupe. Parce que Carlo Balaben s'est employé deux fois, et là, il peut... La première était très très importante pour la confiance, mais alors celle-là, pour mettre un petit coup de semonce derrière les oreilles des Italiens. Elle est bien jouée, elle est bien jouée au-dessus déjà, si elle a la force. Il n'a pas fait l'effort, c'est dommage. Elle est bien jouée, la boule de deux. Il ne manquait pas grand-chose. On avait dit qu'ils avaient une boule d'avance. Il n'y a que moi qui l'ai fait sauter comme ça, là, la barre. Allez, grand, ça va exploser. La boule du Bruyant, il a, à juste titre, elle a sauté sur la ligne un peu prononcée des 12,50 m. Et là, ce qui a créé un ralentissement. Luc Herral, qui est en difficulté depuis une vingtaine de minutes, doit se reconcentrer. S'il a une boule à jouer, c'est peut-être celle-ci. Et c'est là où les partenaires doivent trouver les bons mots et pour l'encourager, mais il est tout seul au fond. Après, c'est un très très grand tireur. Il n'arrive plus. Ah là, c'est la fatigue, très clairement.
Et les joueurs de Gap qui viennent de laisser passer deux opportunités. Tu n'as pas qu'il y a, Romain ? Coup sur coup. Alors, même en Rome. Faut tirer, non ? Oui. Il y a les moins. Allez, Rome. Ah, on envoie Romain pour absolument faire jouer les Italiens. Voilà, je force. Parce que Luc est en grande difficulté. On n'a pas opéré un changement parce que c'est toujours très délicat. Comme je le disais, il reste peu de temps à jouer, peu de boules à jouer. Et Romain Garcia qui s'emploie. À Rome. Allez. On appelle le Superman du week-end. Le Superman de beaucoup de week-ends, Romain Garcia. J'en fais souvent les frais en jouant contre lui en première division. Et il est encore là. Super Romain, magnifique. Magnifique, Romain nous fait une finale tire-point. Voilà. C'est Superman, Batman et Spider-Man en même temps, Romain Garcia, c'est incroyable. En plus, j'adore l'homme, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il est plein d'humilité, plein d'amitié, c'est vraiment... à l'image, comme on le voit là, c'est un vrai. Autant de talent que de gentillesse. Je force. Alors, boule importante chez les Italiens pour Pierluigi Caliero, parce que là aussi c'est une relance, puisque Luc Herrera a manqué. Donc, si Pierluigi Caliero se trouve. Ils ont une boule d'avance, est-ce qu'ils vont la garder ? Celle-là, priori, déjà, oui. Elle est montée. Très belle. Une question de elle droit. Est très belle. Dès qu'on voit passer la boule sur la droite de la boule qui fait obstacle, on sait déjà qu'on est sur une bonne base. Après, c'est une question de force. On appelle le capitaine des pompiers, Frédéric Assensi, pour tenter encore une sublime reprise. Elle a de l'importance, celle-là. On est 4 boules contre 4. On est à 6 minutes du terme de cette finale. Il faut absolument, Jacques, aller jusqu'au bout. Complètement. Allez, continue encore. De cette partie au niveau du temps réglementaire. Oui, parce que là, on aura du mal à atteindre les 13 points, c'est clair. Hein. Et là, Fred Assensi a une boule très importante à jouer. Je crois qu'il va être il va manquer de force, aller jouer en bas, sa boule, c'est dommage, mais il peut. Attention, parce que les Italiens sont en train de grignoter leur retard petit à petit. Qu'est-ce que ça dit ? Non, je crois pas. Ils étaient en grande difficulté. J'aimerais bien qu'ils soient à droite. Ils reviennent. Il n'y a plus que 3 boules à jouer pour Gap. 4 à jouer pour les Italiens. C'est pas des jouets si on tire la boule. Oui, parce que 3, là, ils peuvent nous faire un carnage. Le grand, il faut essayer de te forcer là. Allez, mon. T'es capable, allez. Alors, il pousse tout de même Luc Herrera, malgré que Luc Herrera soit en difficulté. Non, sympa, parce que il est un peu, on va dire, entre guillemets, mais le maillot autrement, faible de cette, de ce moment précis. De ce dernier tir de finale. De ce moment précis. Romain doit absolument garder sa boule. Ah, Luc, tu gagnes pas. C'est ça. Parce que s'il y a une boule décisive à jouer, il vaut mieux effectivement que ce soit l'homme en confiance, Romain Garcia. C'est ça. Alors là, si on peut marquer, c'est mieux, mais marquer, c'est compromis. Il faut qu'on essaye d'être devant, c'est tout. C'est important. C'est encore raté. C'est toujours trop long parce qu'il a tellement peur d'être court qu'il va à chaque fois mettre trop de puissance. Tout à fait. Donc Romain jouait pour tenter, comme il l'a dit, de rester devant. De marquer dans la main, ça va être compliqué, mais tenter de rester devant, c'est pour ça qu'il a envoyé Luc Herrera. Moi, je m'en fous d'y aller, sincèrement. Si c'est le jeu, j'y vais. Parce que jouer nos boules. On peut jouer nos deux boules, mais il faut les jouer super bien pour. Oui, bien. Non, mais qu'est-ce que t'en penses ? Tu ferais quoi, toi ? Délicat. Très possibilités. Tirer la boule. Que tu viens d'évoquer, même trois, oui, tout à fait. Alors, le but, je pense pas, non. Tirer la boule, pourquoi pas ? Tu fais jouer. Bon, le problème, c'est que s'il tape. Si je tire comme ça, je vais tirer le but. Hein. Ah ouais. Sinon, je ne tire pas le but. C'est vrai ? Je pointe. Eh bien, essayons au point. Allez, Fred. Allez, après beaucoup de tergiversations, les Gapensais qui terminent en voulant jouer le point. C'est toi qui disais l'option. Hein. Non, j'ai dit moi. Je pense qu'on n'écoute pas assez Romain Garcia. Qui est en plus l'homme fort. Qui est l'homme en forme. Le principe de ce jeu-là, on me l'a appris depuis tout petit, il faut toujours écouter l'homme en forme. Et donc Romain Garcia était prêt à tirer au but et on l'a freiné, on lui a donné toutes les options sauf celle de tirer au but. Ceci dit, Jacques. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué de la part. Super, bravo Fredo. Bravo Frédéric Assensi, c'est super génial.
Superbe, il redonne du baume au cœur à ces gars pensés qui perdent un peu pied au terme de cette finale. C'est magnifique ce qu'il vient de faire. C'était très très important de reprendre le point. Et je regarde le chrono en même temps. On est passé sous les 3 minutes, Jacques. Et ça peut avoir son importance également. Bien sûr. Cadbou le rappelait des Italiens. Il faut que Daniele Grosso déjà touche la boule et surtout qu'il n'ait pas de contre à la scène derrière. Oh là là, magnifique, Daniele Grosso. Bravo, bravo. Les Italiens, évidemment, qui se dépêchent hein, de tout remettre en position. Et là, que va tenter Romain Garcia? Hein, mon Rome. Allez. Il restera ensuite 3 boules pour les Italiens. Allez, mon Rome, là. À plaisir. Allez. Je crois que Romain Garcia, s'il a la chance de reprendre le point, ça va être compliqué pour les Italiens. Parce qu'il va falloir qu'il tire la boule de Romain sans avoir le contre sur la leur qui est juste derrière. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais si Romain a le bonheur de réussir ça. Ça me semble bien joué. Un poil long peut-être. Ouh là là, ça a été freiné. Ça gagne, ça gagne, ça gagne. Il est heureux, Romain. Il était vite. La tension est à son maximum. Il reste 1 minute et 45 secondes à jouer dans cette finale. 3 points d'avance pour les joueurs de Gap, mais 3 boules à jouer pour les Italiens, Jacques. Alors attention. Belle réussite sur Romain. Ils doivent tout jouer. Voilà, carreau, il fait carreau. L'Italien fait carreau. Gaël, l'Italien fait carreau, il passe devant. Daniele Grosso vient de faire carreau sur les 3 boules gapensaises. C'est unique. Regardez, regardez. C'est le geste du week-end. Regardez, il vient de faire carreau sur les 3 boules gapensaises. Les Italiens en font 4, ils passent devant. C'est incroyable, incroyable. Non, les Italiens vont. Minuto da giocare, due. Eh bien, ils vont gagner. Mais ils vont gagner, les Italiens. Ils n'ont plus qu'à, j'allais dire, presque jeter les 2 boules. C'est incroyable. Ah, incroyable. Ça, c'est pas tellement. C'est la règle du jeu. Voilà. On doit mettre 45 secondes pour jouer une boule. Regardez, voilà, ils ont 2 boules à jouer. Les Français ont perdu. C'est fini. 10 à 9, c'est incroyable. Mais quel finish! Mais c'est juste hallucinant. Ils ont été en tête toute la partie. Pendant 2 heures, ils ont été en tête, les joueurs de Gap. Et ils vont s'incliner à la dernière seconde. Les Italiens qui, en quart de finale, à un quart d'heure de la fin, étaient menés 10 à 5 et qui se sont imposés 11 à 10 à la dernière seconde contre les Croates. Et en finale, de nouveau, ces Italiens. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniele Grosso? Il a fait le carreau sur les 3 boules françaises alors que Romain avait eu un superbe coup de réussite. Oh, ils doivent être dégoûtés. Ah oui, faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention à la sonnerie. Voilà. Eh oui, c'est normal. C'est normal. Ah, ils peuvent être dégoûtés, les gars français. Ils ne serrent même pas la main aux Italiens. Ah, ça, c'est pas bien. Il faut serrer la main. Et c'était un petit peu limite cette fin effectivement de finale. C'est dommage, on a vécu un superbe week-end et là ça se termine un petit peu par un fair play, un oubli de fair play on va dire, reproché aux Français, reproché par les Français aux Italiens. En tout cas effectivement ils ont attendu la dernière seconde, on rappelle le règlement pour ne pas qu'il y ait une mène supplémentaire pour départager les deux équipes. Les Italiens sont dans leur droit, ils ont appliqué le règlement. Incroyable. Effectivement, bon, c'est un petit peu dommage. Le du week-end, Daniele Grosso qui vient de faire le carreau sur les 3 boules italiennes. Ah ouais, c'était vraiment exceptionnel. Exceptionnel, alors que les Italiens ont été menés pendant 1h, 59 minutes et 59 secondes. Et ils ont réussi à la dernière seconde de cette finale, réussi à s'imposer. Eux qui ont gagné déjà l'année dernière ce GDP Vendôme et qui s'imposent sur cette première étape ici du côté de Saint-Vulbas. On a vu une finale exceptionnelle de par son scénario, Jacques. Oui, incroyable. C'était juste, on savait que les deux équipes se tiendraient, mais quand on voit la réussite de Daniele Grosso qui enlève toutes les chances françaises sur ce dernier, comme vous le dites, 1h59 et 59 secondes, mais c'est juste, on a vécu quelque chose d'énorme, de grandiose, au bout du suspense. Hein, alors, c'est le sport boule, c'est le meeting GDP Vendôme, c'est juste géant. Les joueurs de Gap qui en veulent aux Italiens, qui évidemment ont pris tout leur temps et ont joué avec le chronomètre en fin de finale. En même temps, les joueurs de Gap ont eu les possibilités aussi pour gagner ce match, j'allais dire, tout seul, sans dépendre aussi d'un exploit italien. Voilà.
les Italiens ont joué les 45 secondes qui leur étaient imparties par boule. Voilà, c'est, il est clair. Hein. Et on voit Fred Asensi, meilleur joueur de tournoi, amplement mérité. Bravo Frédéric. Bravo tout de même aux gars français qui nous ont livré une finale de toute beauté. Frédéric Asensi également, Romain Garcia aurait pu prétendre à ce titre, mais effectivement une consolation individuelle pour Frédéric Asensi. Et malheureusement, collectivement, eh bien, ce sont une nouvelle fois les Italiens qui s'imposent ici à Saint-Vulba pour ce meeting GDP Vendôme que l'on aura suivi donc sur la chaîne L'Équipe. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt pour du Sport Boule sur la chaîne L'Équipe. Victoire italienne dans le meeting.